Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle émission sur Rennes le Château. Une interview que j'avais adorée à l'époque de Jean-Luc Robin. Alors, deux ou trois informations quand même sur Jean-Luc Robin. Donc à la base, il est restaurateur et il a écrit quelques livres sur le sujet, sur Rennes le Château. Et c'est donc à la sortie d'un de ses livres que l'interview avait été réalisée. Mais surtout, surtout, le plus important. Il a été le maire de Rennes-le-Château, donc il connaît extrêmement bien les lieux et ses environs. Et 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 cerise sur le gâteau, il a eu l'opportunité, écoutez bien, il a eu l'opportunité d'habiter quelque temps dans le domaine de l'abbé Sonia. Et ouais. Et quand je dis habiter, c'est au sens propre du terme, c'est vraiment vivre, euh, manger à la même table, dormir dans le même lit, euh, mettre ses vêtements dans la même armoire, etc. Bref une histoire incroyable pour les passionnés que nous sommes de cette affaire donc pas d'apparitions étranges de bruits bizarres d'objets qui se déplacent ou de lumières qui s'allument ou qui s'éteignent toutes seules moi je dis ça sur le ton de la plaisanterie mais je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient tenté d'exploiter au maximum une situation comme celle-là Et bien non m robin reste pragmatique et sérieux il nous emmène nous faire ressentir l'atmosphère du lieu un lieu incroyable restauré par ce curé euh Atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, première partie de l'interview par Jean-Claude Carton. Bon voyage. Bonsoir Jean-Luc Robin. Bonsoir Jean-Claude Carton. Ravi de vous rencontrer pour la Plaisir. première fois. Plaisir partagé. Ce livre que j'ai sous les yeux, Reine Le Château, Le secret de Saunière. Pourquoi une préface d'Henri Lincoln oui. Henry Lincoln est, un, est devenu un ami, il fait partie de ces gens que j'ai rencontrés à Rennes-le-Château et je me suis lié d'amitié avec lui. C'est quelqu'un de, de très chaleureux, c'est un homme qui a un cœur énorme, qui n'a pas du tout changé malgré le succès de, de ses livres. Quand même, l'énigme sacrée a déjà dépassé 10 millions d'exemplaires, traduits dans toutes les langues. C'est quelqu'un qui est resté très simple et c'est quelqu'un qui est resté très attaché à Rennes-le-Château, qui est un, un endroit qui représente quand même 30 ans de sa vie. Il a, il a une véritable passion pour Rennes, il a un amour pour ce, pour ce village. Et il a, ce, il a aimé ce livre. Je lui ai, je lui ai montré mon manuscrit alors qu'il était sur le point d'être terminé. Le livre lui a plu et il a accepté tout simplement d'en faire la, la préface. Et il est même à l'heure actuelle en train de travailler à la... Traduction du livre en anglais. Elle est drôle la préface, hein surtout la fin. Elle est amusante quand il me. Mais le problème d'Henri, si vous voulez, quand on lui demande une dédicace, il vous dit toujours Qu'est-ce que tu veux que je marque <laughs> Alors je me rappelle une fois, je lui ai dit bah, Tu n'as qu'à marquer euh, sur un de ses livres, tu n'as qu'à marquer Ce livre est dédié à l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré dans ma vie. Alors ce qu'il a fait, il a marqué Voilà, je dédie ce livre à l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré dans ma vie. Puis entre parenthèses, il a mis après C'est lui qui le dit quand même. Et là, c'est pareil, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je mette en, en conclusion ben, Je lui dis, écoute, euh, me payant de culot, puis en, en, sous, sous forme de, de plaisanterie, euh, je parlais quand même à quelqu'un qui a sorti un certain nombre de livres qui font autorité sur Rennes le Château, et je lui dis, tu n'as qu'à marquer que c'est le meilleur livre jamais publié sur l'affaire de Rennes. Alors il a marqué que c'était sans doute le meilleur livre jamais publié sur l'affaire de Rennes et entre parenthèses parce qu'il faut quand même qu'il y ait de cette petite parenthèse à la fin, il a mis euh, de toute façon euh, qui suis-je pour prétendre le contraire. À côté de vous Jean-Luc, euh, une belle rencontre. C'est Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Pierre Robin. Tu es le fils de Jean-Luc. Oui. Tu es né là-dedans Presque oui. <laughs> Ça fait 11 ans que je vis dedans. Pierre ne s'attendait pas à, du tout à... Quoique... Jean-Luc, il y a eu beaucoup de livres écrits sur euh, Rennes-le-Château. Vous les avez recensés Recensés, non, mais enfin, semble-t-il, il y en aurait à peu près 300. Grosso modo. En français et, et dans d'autres langues. Il y en a pas mal qui ont été écrits en, en anglais, en allemand, en hollandais, qui n'ont jamais, jamais été traduits en français. Mais on, on compte à peu près 300 ouvrages à l'heure actuelle d'une certaine importance sur le sujet de, de Rennes-le-Château. vous avez habité pendant quelques... 5 ans, 6 ans Pendant 6 ans, j'ai habité à Rennes-le-Château, Rennes même dans la maison de la Bessonnière. Et ça fait 11 ans que je suis présent sur les lieux. Alors ce que je vais vous demander, c'est d'être le guide, de nous faire découvrir Rennes-le-Château. On croit connaître, et puis... On ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose. On est, on est assaillis d'informations. Euh, souvent reprises, il est très difficile de, de faire le tri entre euh, le vrai et le faux. Il y a eu énormément de, de montages, il y a eu énormément de, de canulars, il y a eu énormément d'histoires qui se sont greffées sur le château. Il y a eu un certain nombre de, de personnages. Euh, dont l'imagination de, de certains euh, frôlait le, le génie, qui ont utilisé l'histoire de rennes le Château pour accréditer des thèses qui leur étaient propres, ou qui les mettaient en valeur ou qui les faisaient passer pour tel ou tel. Ces, ces histoires sont reprises régulièrement. Beaucoup d'ouvrages sont des redites, sont des ouvrages qui sont écrits à la suite de la lecture des, des précédents. Et, et, et certaines histoires qui sont maintenant acceptées comme étant des faits avérés. N'ont été au départ que des, que des canulars. Je connais des tas d'exemples où je sais très bien qui a monté tel canular, qui a lancé tel bruit simplement dans le but de, de s'amuser par boutade et qui sont maintenant devenus paroles parole d'évangile. Ceci dit, dans ce fatras d'informations, euh, il y a des choses réelles, il y a une réalité, il y a de véritables questions que l'on peut se poser sur le, le phénomène de Rennes-le-Château, il y a un véritable mystère autour de cette histoire. Et le mystère, euh, vous l'avez approché Le mystère, je l'ai approché, ou plutôt il s'est euh, imposé à moi. Et il y a beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas répondre et auxquelles je ne prétends pas euh, répondre. Mon approche, mon approche de l'affaire, je n'ai pas fait un... Autour de Rennes le Château, j'ai jamais cherché à faire un travail d'historien, j'ai plutôt fait un travail d'observateur. J'ai recueilli une foule d'informations. Vous savez, ma position... Au sein du domaine de la Bessonnière, puisque je, je vivais dans, dans ces murs, j'avais ouvert ce domaine au, au public. Je recevais à l'époque euh, 10-12 000 visiteurs par an qui payaient leur droit d'entrée pour visiter le musée, visiter que j'avais créé avec l'aide d'Antoine Captier et de Claire Corbu. On avait euh, remis dans le domaine les objets de la baissonnière, ses meubles, ses habits, ses objets personnels, ses bibelots et puis surtout ses archives qui m'ont beaucoup aidé. Euh, cette histoire, elle s'est imposée à moi tout doucement. Je la connaissais depuis très longtemps. Vous savez, la vie est, la vie est facétieuse parfois. Elle est facétieuse et puis elle sait, elle sait offrir des, elle offre des opportunités, elle offre des chances. Et certains les saisissent, certains passent à côté. Euh, cette histoire, je la connaissais depuis très longtemps. J'habitais Carcassonne lorsque j'étais gosse. Euh, à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans. À ouais. l'âge de sept ans, j'ai découvert le château. C'est exactement en 1956. Je suis né en 49, j'ai 55 ans. Et en 56, c'est l'époque où l'histoire a, a commencé. Euh, Noël Corbu avait racheté le, le domaine à Marie Desarnaud, la bonne du curé. Marie était morte depuis trois ans, puisqu'elle est morte en 1953. Noël Corbu n'ayant pas trouvé le, le trésor et la fortune que Marie lui avait laissé euh, espérer, puisqu'elle lui disait qu'avant de mourir, elle lui révélerait un secret qui le rendrait riche. Et puis elle a été victime d'une attaque et elle s'est retrouvée paralysée, elle n'a pas pu transmettre ce secret. Pe peut-on parler, pardonnez-moi, mais peut-on parler d'une attaque identique, une attaque cérébrale, une hémiplégie par, entre l'abbé Saunière, ce qui lui est arrivé, et Marie de Narneau à cette différence près que Sonia a après son attaque, et Sonia a eu une attaque le 17 janvier 1917 en sortant de la tour Magdala et Marie l'a retrouvée inanimée sur le sur le pas de la porte. Je pense qu'il a eu un problème de, de congestion. Dans ces mois d'hiver, le, le vent du nord souffle et vous coupe en deux quand vous sortez de la tour. Surtout si on a passé la journée assis sans bouger auprès d'un bon feu, en descendant des petits verres de liqueur de ci de là et en travaillant sur ses grimoires. Et je pense qu'il s'est passé c'est que Sonia a eu a subi une congestion, mais Sonia a retrouvé ses esprits. Il est mort cinq jours plus tard en parfaite euh, possession de ses esprits et il était capable de s'exprimer et d'écrire, tandis que Marie euh, s'est retrouvée paralysée. Marie ne, ne, ne pouvait ni parler, ni cligner d'un œil, ni faire un signe, ni laisser un message sur un bout de, de papier. Ce qui veut dire que si tant qu'elle ait été. En possession d'un secret et qu'elle ait eu réellement l'intention de le transmettre avant sa mort, elle en a, elle en a été empêchée par la maladie. Donc la différence entre sonnière et Marie, c'est que Sonia, lui, est, est, est parti en, au moins en livrant ses secrets ou une partie de ses secrets à son confesseur. Une partie, hein. J'étais pas là pour savoir, mais mmh. je pense que ce qu lui a, ce qu'il lui a livré, euh, devait être assez important parce que la confession, semble-t-il, d'après les témoins de l'époque, a duré une après-midi entière et l'abbé. Rivière, puisque c'est de lui qu'il s'agissait, qui était le curé d'Esperaza, qui n'était d'ailleurs pas un ami de Saunière, c'était deux hommes qui étaient en, en opposition, c'est curieux qu'il l'ait appelé lui. L'abbé Rivière en serait sorti bouleversé. C'est un homme qui, de, de jovial et bon vivant, s'est, à la suite de cette confession, totalement transformé et devenu taciturne et. et Silencieux renfermée. pendant des années. Silencieux pendant des années. Oui. Oui. Racontez-nous quand on arrive à Rennes-le-Château. D'où faut-il venir Je vais vous laisser, euh, j'aurai des questions à, à vous poser, soyez le guide pour cette nuit plus près des étoiles, pour que nous connaissions mieux ce village, 200 âmes, Rennes-le-Château. Une nuit plus près des étoiles, on ne pouvait pas choisir de titre meilleur que celui-là pour parler de Rennes-le-Château. Si un endroit au monde où on est près des étoiles, c'est bien là-haut. Vous savez, le ciel, la nuit, et je pense que l'abbé Saunière, lorsqu'il a construit sa tour Magdala, il, en a, il avait dû en faire une sorte d'observatoire. Le ciel est d'une pureté extraordinaire et, et le, les étoiles sont très très proches, effectivement. Rennes-le-Château, bah, par où venir à Rennes-le-Château, vous n'avez pas le choix. Il y a une route, une route qui monte, 4,5 km, de petite route de montagne enlacée, qui monte continuellement et qui finit à Rennes-le-Château. C'est le, le bout du monde. Rennes-le-Château, c'est une euh, colline, c'est un opidum. Euh, on est à plus de 500 mètres d'altitude. Et lorsque vous arrivez dans ce petit village, que vous soyez venu attiré par l'histoire de la Bessonnière, par l'histoire de son trésor, quelles que soient vos motivations, ou simplement par hasard, je je connais personne qui soit resté insensible à la beauté de ce paysage. C'est un paysage à le souffle. Depuis Rennes-le-Château, on voit s'allumer la nuit les feux de 24 villages. C'est un endroit que, lorsqu'on se promène dans les environs, que l'on voit de partout, ce qui veut dire que ça a toujours été inévitablement un lieu stratégique. Mais c'est un lieu d'une beauté, c'est un lieu où souffle l'esprit, c'est un lieu qui ne laisse pas indifférent. On ne peut pas rester insensible à la beauté de ce paysage. Ça, c'est vraiment en dehors de tout le mystère et de toute l'histoire, aussi fabuleuse soit-elle, et Dieu sait si elle l'est. Euh, la cerise sur le gâteau, c'est ce paysage. À lui seul, à lui seul, il vaut le détour. Reprenons l'historique. À la fin du 8 siècle, un diocèse de Rédésium ou Pagus Rédésis est cité dans le cartulaire du Capsire. Ça peut oui. paraître étrange pour celles et ceux qui nous entendent, mais c'est la première fois qu'apparaît écrit le nom de ce qui sera bien plus tard la région de, de Rennes-le-Château. Oui, L'ancien nom de le château est Rédé. Et, et raidé, était euh, un, lieu, un lieu important, ça a été une ville, une ville forte, une ville forte importante. C'est un endroit où l'homme a toujours vécu, pour une bonne et simple raison qui tient, qui tient à l'observation. C'est un lieu escarpé, donc facile à protéger, on voit venir de loin... Et c'est un endroit où, contrairement à ce qui se passe souvent dans les places fortes qui se sont souvent rendues, c'est le cas de beaucoup de châteaux Qatar par exemple, qui se sont rendus par manque d'eau parce qu'on dépendait de l'eau des citernes, Rennes-le-Château, à plus de 500 mètres d'altitude, a une source qui depuis des siècles coule, ce qui fait que l'homme, inévitablement, y a toujours trouvé refuge, et on a découvert des, des restes d'habitats remontant au néolithique. C'est-à-dire que c'est intéressant, l'histoire de Rennes-le-Château est intéressante, parce que c'est un village, c'est un endroit où l'homme a toujours vécu, ça veut dire que c'est un endroit qui a vécu toutes les phases de notre histoire. Depuis euh, les temps les plus reculés, la religion celtique, l'arrivée du christianisme et le développement du christianisme, tous ces événements-là se sont produits à Rennes-le-Château, puisque des hommes ont toujours vécu là et que c'était un lieu stratégique important. On dit, il est dit euh, dans l'histoire, que ce sont les Visigoths Alors les Visigoths, Rennes-le-Château a été une place forte importante hein, de, des Visigoths. L'Empire Visigoth à l'époque euh, se partageait entre la France et, et l'Espagne. Euh, Tolède était leur capitale côté espagnol, Toulouse était la capitale côté euh, français. Et il semblerait que Rennes-le-Château ait été un, un, poste, euh, un poste important. Il est dit aussi dans l'histoire que le dernier roi, wisigoth qui s'opposait au franc dans cette région... Vous pouvez continuer Non. Non, parce que je ne suis pas historien. Pourquoi elle devint une place stratégique au même titre que Carcassonne et Narbonne ben, Tout simplement parce que pendant des siècles, c'était la ligne de démarcation, c'était la frontière entre. C'est un poste frontière. C'était la frontière entre le, le royaume de France et le royaume d'Aragon. L'actuelle frontière entre la France et l'Espagne date du milieu du XVIIe siècle. Elle a été redécidée au moment du mariage de Louis XIV avec euh, l'infante d'Espagne, c'est à ce moment-là qu'on a repoussé les frontières aux limites, je dirais, naturelles des Pyrénées. Mais jusqu'au euh, jusqu milieu du XVIIe siècle, jusqu'à ce que le traité des Pyrénées soit signé, qui était donc le contrat de mariage entre Louis XIV et l'infante d'Espagne, euh, ce que l'on voyait, le paysage que l'on découvrait depuis le haut de Reine le château c'était l'Espagne. Rennes-le-Château était, était un poste aux frontières. Donc pour une position toujours stratégique. Pour cela qu'il est question souvent de... De Louis XIV, du roi Soleil, à Rennes-le-Château C'est fort possible. Et puis aussi le fait que. Euh, on se demande où ont été trouvés. C'est une, une des théories. Où ont été trouvés les, les fonds qui ont permis de construire Versailles Certains pensent que Louis XIV a mis, le, a mis la main sur un, un trésor fabuleux. Euh, il est certain, si l'on observe. Et ça, ce sont des choses que n'importe qui peut faire, moi, je, que, que je, qui m'ont sauté aux yeux. On se rend compte, par exemple, que dans tout, toutes les églises de la région, euh, jusqu'aux plus humbles, et celle de Rennes-le-Château n'échappe pas à la règle, ont été remaniées, redécorées au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV. C'est-à-dire que sous le règne de Louis XIV, il y a eu un argent fou qui a été... Euh, dispersés dans cette région. Mais là, j'anticipe sur l'émission sur d'un de vos prochains invités, qui est un de, un de mes amis, qui a aussi de sortir un livre, Franck, euh, Franck euh, Dafos, oui. Le secret dérobé, et, et qui, traite, qui traite très bien de ce sujet et qui apporte pas mal de réponses à cette question que je me posais personnellement depuis longtemps. Pourquoi y a-t-il eu autant d'argent qui a été dépensé au niveau des églises au XVIIe siècle Alors, on ne va pas empiéter sur son, sur son sujet. À propos d'églises, il y en a deux églises. Une dédiée qui est à la Vierge. Et l'autre à Saint-Jean-Baptiste, vous confirmez Pour autant que je sache, il y a effectivement deux églises, une qui était dédiée à Marie-Madeleine, l'actuelle, et l'autre qui était dédiée à Saint-Pierre. Il y a les restes d'une église Saint-Pierre dans Rennes-le-Château. C'est à l'heure actuelle où se trouve le pressoir banal du, du village où pendant des, des générations. Les, les habitants du village sont allés presser leurs raisins pour faire le vin. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans ce, dans ce pressoir qui se trouve donc dans ce qui était l'église Saint-Pierre, dont les fondations semblent être extrêmement anciennes, le, tout le mou, au lieu de l'évacuer, tout le mou de la, de la vendange, on le balançait dans un, dans un trou, dans une infractuosité, et que pendant des générations, des générations, on a balancé des tonnes de mou, et on n'est jamais arrivé à combler ce trou. Le sous-sol de Rennes-le-Château est un véritable... Un véritable gruyère c'est karstique il y a des galeries naturelles de tous les côtés il y a des avennes, il y a des puis certaines galeries naturelles qui ont été, qui ont été aménagées et c'est un, un territoire de jeu extraordinaire pour les chasseurs de trésors y a-t-il une ressemblance entre l'édification de carcassonne et celle de, de rennes-le-château Très difficile à dire parce que ce qui subsiste des, des fortifications de Rennes-le-Château est, est minime. Il nous reste, il nous reste presque, presque rien. Il y a un très bon travail qui a été fait il y a quelques temps par un architecte belge qui s'appelle Paul Saucé, qui a édité son, son travail sous forme de, de CD en, et où on visite l'église de Rennes en trois dimensions, où il reconstitue. Il reconstitue les, les fortifications de Rennes, euh, les, trois portes qui, euh, les trois portes qui défendaient la cité, l'ancien château qui se trouvait tout à fait en haut du village, à l'emplacement même du domaine de la Bessonnière, puisque le château actuel, ce qu'il en reste du moins, est au centre du village. Le château actuel date du 14 15e siècle, mais il y en avait un autre avant. Euh, mais c'est difficile de faire une comparaison, parce qu'on a, a à Carcassonne une, des restes qui ont été sauvés par Viollet-le-Duc et qui sont qui sont magnifiques, avec quelques, quelques rajouts, mais dans l'ensemble assez respectueux de ce que c'était, tandis et, que Rennes-le-Château, non. Et, il n'empêche, Jean-Luc Robin, que les deux villes, Carcassonne comme Rennes-le-Château, ont une origine visigothique. Tout à fait. Tout à On, fait. Est bien On est bien d'accord. Alors nous arrivons à Rennes-le-Château, après euh, une route euh, entrelacée, un énorme virage, la vue, les 27 villages. Vous nous amenez Faites-nous visiter, allez. Allez, je vous prends par la main. Alors, ce qui va vous étonner d'abord, c'est en bas du village. Je crois que c'est le seul village de France où on puisse trouver ça. Vous tombez sur un panneau, un panneau apposé par la municipalité qui vous dit Les fouilles sont interdites sur le territoire de la commune de Rennes-le-Château. Arrêté municipal du 27 juillet 1965. C'est-à-dire ça fait 40 ans que cet arrêté a été pris, ça fait 40 ans que ce panneau est apposé à l'entrée du village. Et, et ironie, je trouve que c'est presque une incitation au crime, parce qu'à partir du moment où on vous dit que les fouilles sont interdites, ça laisse supposer qu'il y a quelque chose à trouver. Alors dès l'entrée, vous, vous êtes déjà dans l'ambiance. Ensuite, vous traversez la rue principale du village, vous arrivez sur une, euh, sur une esplanade. Là, vous découvrez le paysage, et à votre droite, ce qui attire en, le, en premier votre regard, c'est cette tour euh, néogothique, la tour Magdala que l'abbé Saunière a fait construire, assez frais, en pierre de taille. C'était sa bibliothèque, c'était son cabinet de, de travail. Elle est, au bout, elle est au bout du domaine. On s'en approche, on descend la rue qui longe la villa Bethania, qui était la villa de l'abbé, cette belle maison bourgeoise, cossue. Qu'il n'a jamais habité apparemment. Qu'il n'a jamais habité. Effectivement, il y recevait. Ben, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que Saunière a tout logiquement habité le presbytère de Rennes-le-Château, qu'il lui a fallu restaurer. Lorsqu'il est arrivé dans le village, le, le presbytère était en, était en ruine. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas y habiter. Lorsqu'il a eu un peu d'argent, et eh bien, de ses frais, il l'a restauré et il est allé habiter dans le presbytère. Et comme il craignait... Euh, de s'en faire euh, expulser. Il craignait que son bail ne soit pas renouvelé. Vous savez, il faut se replacer dans les conditions de l'époque. Euh, Béranger Saunière est un prêtre. <coughs> il est euh, royaliste, convaincu. Il vit à une époque où, euh, au sein de la République, le courant anticlérical euh, prend de l'importance. Et ça, ça va aboutir à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. C'est pas arrivé du jour au lendemain, on l'a vu progressivement arriver. Donc Sonner vit dans cette, dans cette atmosphère d'anticléricalisme euh, anti militant. Et il craint, il craint qu'un jour ou l'autre, euh, parce qu'il est simplement curé, on ne lui renouvelle pas son bail. Donc euh, il se fait, euh, lorsqu'il a les moyens, il se fait construire cette, euh, cette ville-là dans laquelle il a l'intention d'habiter si jamais son bail n'est pas renouvelé, et puis il finit par euh, négocier avec la municipalité un bail de 99 ans, un bail amphithéotique, et donc il ne va jamais quitter son presbytère, son presbytère d'origine, qui date du XVIIe siècle. Qui se trouve donc derrière la villa. Il a construit, construit sa villa, sa propriété personnelle. Il l'a construit dans la cour, devant. Elle bouche la vue du, du presbytère. Et il utilisait la, la villa Béthanie, il l'utilisait comme hôtel. Il l'utilisait pour y loger ses, ses invités. Cette tour euh, Magdalena, <coughs> il aurait pu l'appeler Magdalena. Oui, il aurait été logique qu'il l'appelle Magdalena. Parce que c'est un sacré bonhomme, ouais, euh, ce Béranger-Saunière. Je je balance pour le juger entre humoriste, érudit. Euh, je crois qu'il était un peu les deux à la fois. Et, et puis il me donne, on y reviendra certainement dans le, dans le cours des discussions, mais il est, il est certain qu'il cherche à, à, à dire quelque chose. On a l'impression de quelqu'un qui... qui, qui essaye désespérément de faire passer un message et son domaine, son église, dans leur décoration sont, sont truffés de signes et il y, a toujours, euh, il y a toujours une première lecture dans les, dans les, dans les signes qu'il a pu laisser, une première lecture qui est officielle, qui est anodine. Et si l'on gratte un peu, si l'on regarde les juxtapositions et les, et les coïncidences qui, à force de s'accumuler, ne sont plus des coïncidences, on se rend compte qu'il y a une deuxième, voire une troisième lecture. C'est un petit peu, c'est une lecture de gigogne, c'est un peu comme les, les, les poupées russes. Vous en ouvrez une, il y en a une autre à l'intérieur qui en contient une autre, qui en contient une autre. Et il excelle. Alors, hein. il, est, il est très fort à ce petit mmh. jeu. Il est très fort à ce petit jeu et c'est d'ailleurs, je vais vous dire, c'est ce qui explique le... Le succès euh, de Rennes-le-Château, qui à l'heure actuelle est devenu une histoire qui a pris une dimension planétaire, c'est parce qu'il y a tellement d'indications qui peuvent partir dans tous les sens que tout le monde y trouve son compte. C'est devenu euh, un petit peu l'auberge espagnole de, 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 de l'ésotérisme qui intéresse. Toutes sortes de gens d'horizons totalement différents. Et chacun y, chacun y trouve son compte. Je pense que c'est l'explication du, du phénomène est là. Alors pourquoi, euh, pour revenir à la tour euh, Magdala, pourquoi Magdala plutôt que Magdalena, puisqu'elle euh, fait référence à Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, la patronne du village, et à, à qui, euh, une sainte à qui euh, Béranger Sonnière rend un hommage, euh, un hommage appuyé dans la décoration de son église. Donc sa tour, oui, la villa, c'est la villa. Béthanie, parce qu'il s'agissait de Marie, Marie de Béthanie, la tour Magdala plutôt que Magdalena, eh bien parce que euh, en même temps, et là c'est le clin d'œil de l'érudit, Magdal en hébreu veut dire tour. Voilà le genre de petit de petits jeu auquel euh, s'est amusé Saunière. Et, et ça va encore plus loin, parce qu'on se rend compte euh, que cette tour est en fait la tour d'un jeu d'échecs. Et que le domaine a lui-même été décidé sur les plans d'un jeu d'échecs et que la surface de la tour se retrouve exactement au centimètre près, et ça c'est intéressant parce que n'importe qui muni d'une chaîne d'arpenteur ou d'un bon plan de masse peut le vérifier, la tour Magdala, la surface de la tour Magdala, est contenue donc 64 fois dans le carré représenté par le, par le jardin. Et non seulement ça, mais elle est à l'emplacement de la tour sur l'échiquier. Et il y a une deuxième tour. Ça, c'est la tour en pierre, c'est la tour noire. Mais il y a la tour blanche dans la partie adverse. Eh bien, elle existe. C'est la serre. Et il y a à l'opposé une tour en verre qui est exactement le négatif de la tour Magdala. C'est-à-dire, dans la tour Magdala, on rentre dans une pièce relativement obscure, la bibliothèque. On monte un escalier en colimaçon qui est composé de 22 marches. 22, c'est peut-être pas un signe tout à fait euh, choisi par hasard non plus. Et on arrive en haut de la tour en pleine lumière. Lorsqu'on est dans la tour en verre, c'est exactement l'opposé. On rentre dans une pièce de lumière puisque c'est une serre, elle est en verre. On descend une échauguette inversée. On descend de nouveau 22 marches pour se retrouver dans une pièce obscure. Et tout le domaine est bâti comme ça, entre opposition entre blanc et noir, lumière, obscurité, négatif et positif. Et la tour en verre dont je viens de parler, la fameuse serre, se trouve effectivement à l'emplacement de la tour dans la partie adverse. Est-ce qu'il y aurait eu un, un codage de Béranger-Saunière De toute évidence. De toute évidence, il y a, il y a une volonté de dire quelque chose. Euh, moi, je me contente de, de constater. Je me contente de constater, je me contente de, de lever quelques lièvres, dont certains ont déjà été levés depuis longtemps par d'autres. Euh, je n'ai pas d'explication à apporter. Je ne suis, je suis pas suffisamment versé dans ces, dans ces matières pour avoir une explication à apporter. Je me contente de fournir des indications. Mais il est évident, et, et, et on va en certainement en reparler au cours de la soirée... J'ai envie que vous avez beaucoup fonctionné à l'intuition, hein j'ai énormément fonctionné l'intuition oui. j'ai énormément fonctionné l'intuition je vous le disais tout à l'heure je n'ai pas fait un travail d'historien je ne suis pas je ne suis pas un historien j'ai bénéficié d'une position privilégiée parce que je me trouvais dans ce dans ce domaine j'ai vécu dans les, dans les dans les murs dans lesquels a vécu la bessonnière j'ai dormi dans son lit j'ai pratiquement chaussé ses pantoufles et je me suis euh, je suis quelqu'un d'assez pragmatique j'ai toujours cherché là-bas à garder la tête euh, la tête froide parce que je peux vous assurer que c'est un endroit où, si on veut euh, péter un fusible, c'est l'endroit rêvé. Hein, on peut facilement. Je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé. Donc j'ai essayé de me, de me préserver en même temps parce que l'endroit n'est pas, pas anodin. Mais. J'ai essayé souvent de me mettre à la place de l'abbé, sans pour autant me prendre pour lui. Ne croyez pas que je me prenne pour une résurrection de, de l'abbé Saunière. Loin de là, euh, Dieu s'en faut. Mais j'ai souvent essayé de, de raisonner à sa place. Je me suis dit bon ben voilà, moi je vis il y a 100 ans, je vis dans telle condition économiques, la route est de telle façon, je peux me, te, me rendre à tel endroit grâce au chemin de fer. Je me suis procuré des, des, des horaires, des chèques du début du siècle, de 1900. Donc à partir de là, je dis ben voilà, je peux voyager, je peux me rendre à Perpignan, je peux me rendre à Paris, je peux me rendre à Budapest, je un tel endroit, ça va me prendre tant de temps, ça va me prend tant de temps, pour faire de la marchandise ça va me prendre tant de temps euh, j'étais dans ces donc dans, dans ces meubles et il m'est arrivé souvent par, euh, par pour intuition de dire tiens telle chose a pu se passer de telle façon ou de telle façon et c'est ensuite en l'exposant au public, en racontant mon histoire, que quelqu'un m'a dit ⁇ mais effectivement, euh, ça s'est passé comme ça, parce que moi, je sais que, je sais que ceci, je sais que cela ⁇ Donc c'est souvent, et, et depuis que mon livre est publié, euh, j'ai eu beaucoup de, de courriers, beaucoup de mails de la part de lecteurs qui m'apportent des éléments supplémentaires et qui corroborent euh, des idées que j'ai simplement avancées, souvent par intuition, effectivement, je le confesse. La mémoire des murs, euh, elle existe pour vous je pense qu'elle existe. Ouais. Oui, oui, je pense qu'elle existe. Je pense qu'elle existe à condition qu'on ait un, un minimum de, un minimum de sensibilité et que l'on soit un peu, un peu, réceptif. Je pense qu'effectivement, si on pouvait inventer un appareil pour faire reparler les murs, mais je pense que certaines personnes sont, sont plus aptes que d'autres ouais. euh, par, par déduction logique, bon sens et, et, et une certaine forme de sensibilité à, à percevoir des choses qui ont pu se passer. La tour Magdala, c'est ce que l'on voit en premier quand on arrive. C'est ce que l'on voit en premier quand on arrive, parce qu'on arrive sur le, sur le haut du belvédère, on est obligé de s'arrêter, parce que si on fait 10 mètres de plus, on tombe dans le ravin. Et là, on gare sa voiture. Et elle est là. Elle est là, on ne peut pas, on peut pas ne, ne pas la voir. Elle est au point le plus stratégique. À l'endroit même, d'ailleurs, où s'élevaient les, les, les remparts de Rennes. Euh, et à l'endroit même où s'élevait le, le château primitif de Rennes-le-Château. Nous parlons bien de Rennes-le-Château et non pas de Rennes-les-Bains exact. on fait souvent le, il, y a les, il y a les deux rennes. il y a rennes le château et rennes les bains qui est tout près euh, qui est à un quart d'heure qui est une ville, une petite ville thermale qui était déjà utilisée à l'époque celtique, gauloise et que les romains ont mis en valeur qui fonctionne toujours comme, comme ville thermale et qui a joué aussi un rôle important dans l'histoire de rennes le château surtout à, avec son curé, l'abbé boudet qui est un, qui est un personnage Beaucoup plus discret que Béranger saunière mais ô combien énigmatique. Ô combien énigmatique. Je ne voudrais pas donner l'impression à celles et ceux qui nous entendent que je connais l'histoire de rennes le Château. Laissez, laissez-vous, laissez-vous aller. Soyez le guide. Donc la tour Magdala, la villa Bethania, et puis. Et puis l'église. L'église. Parcours, euh, parcours obligé. Cette église qui était une, lorsque Saunière en a pris possession, en très mauvais état, une, une belle petite église romane très simple du XIIe siècle, remaniée et enrichie au, au XVIIe, comme, je, comme la plupart des églises de la région, comme je le disais tout à l'heure, et entièrement, entièrement redécorée à grands frais. Saunière y a dépensé des millions par Béranger Saunière, décorée dans le goût de l'époque qu'on appelle Sulpicien, hein, ça, le, le style, le style Saint-Sulpicien. Il y a une foule de statues dans cette église, une foule de décorations. C'est extrêmement chargé, c'est même un peu un peu pesant. Le premier accueil dans cette église, ben, il est quand même, euh, il laisse en général euh, un souvenir impérissable, puisque dès que vous avez franchi la porte, à votre gauche, si vous cherchez le, le bénitier euh, pour tremper vos doigts dans l'eau bénite et faire le signe de croix, euh, vous vous rendez compte que ce bénitier est supporté par un diable. Un diable qui, jusqu'à quelques années, vous scrutez de ses yeux de, de verre. Sa tête a été refaite parce qu'un vandal, il, il y a 7 ou 8 ans, l a, l a cassé. il a fallu l'a cassée. Il a fallu la refaire. Mais c'est vrai que c'est quand même. Il y a peu d'églises où, où vous êtes accueilli par, euh, par un diable qui supporte, le, qui supporte le bénitier. Oui, mais il y a les quatre anges au-dessus. Voilà. On a souvent tendance à ne se souvenir que du diable. Or, l'ensemble, si vous voulez, vous avez le diable qui est. Qui est terrassé, ça il est certain qu'il est, il est vaincu. L'eau bénite sur ses épaules, ce qui pour un diable n'est quand même pas la position la plus, la plus confortable, puisque l'eau bénite a la faculté, dit-on, de, de, de faire fuir le, le démon. Et le signe de la croix aussi fait fuir le démon. Or, il est écrasé par quatre archanges qui font chacun un des mouvements du signe de la croix. Et au cas où le profane n'aurait pas saisi. La portée du, du message. Et là, on est simplement dans le message au premier degré, comme j'en parlais tout à l'heure. Béranger Saunière, pour enfoncer le clou, nous met un bandeau entre le diable et les anges. Un bandeau qui est un, un pastiche de la phrase qu'avait entendue euh, l'empereur Constantin dans son sommeil. Par, Par ce, ce signe, signe, tu le vaincras. Tu le vaincras. Oui. Or, la phrase d'origine est telle que l'histoire nous l'a léguée, entendu par Constantin, était par ce signe, tu vaincras. Alors attendez, reprenons, Constantin a une vision aux alentours de 712, il me semble. C'est ça, ouais. est ça. Il, a, il, a, il est sur le point d'être battu, les armées ennemies sont nettement supérieures, et dans son sommeil, lui apparaît la, la croix du Christ avec cette phrase, In oxigno vinces, par ce signe tu vaincras. Et dès le lendemain, euh, il se met en, en quête de retrouver la vraie croix du, la vraie croix du Christ. Et lorsqu'il l'a lorsqu retrouvée, il l'a fait porter. Il l'a fait porter euh, en triomphe par ses, par ses soldats et cette croix a le, le pouvoir d'attirer toutes les flèches des ennemis qui ne, qui ne transpercent aucun de, ses, aucun de ses fantassins. Bon ça c'est l'histoire telle qu'on nous l'a qu racontée. Et Béranger Sonnière, au lieu de se contenter d'écrire par ce signe tu vaincras, nous dit par ce signe tu le vaincras, donc en désignant bien le démon. En rajoutant ce le, d'ailleurs, entre nous soit dit, sa phrase tout d'un coup se trouve formée de 22 lettres, une fois de plus. On va retrouver souvent le, le nombre 22. On le retrouve souvent. Ouais. On le retrouve souvent. Mais Béranger Saunière, l'enfance, la naissance, l'enfance, quelles sont les études euh, qu'il suit Béranger Saunière, ce n'est pas un petit paysan euh, pauvre. Euh, comme on a pu le lire dans, dans certains ouvrages. C'est que une... famille nombreuse quand même. Famille nombreuse, comme c'était le cas souvent à l'époque. Ils étaient sept enfants. Mais c'est une famille, je dirais, de la, de la bourgeoisie terrienne. Son père est, est maire de Montazel. C'est un petit village qui est juste au pied de Rennes-le-Château. Béranger, enfant, depuis sa chambre, voyait Rennes-le-Château. C'est en, en ligne droite dans, dans son champ de, de vision. Il euh, y a quatre frères et trois sœurs. Béranger l'aîné, il se, il se voue à la prêtrise. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui, qui avait la foi, qui avait une véritable, une, une véritable conviction. Il avait la vocation, j'en suis à peu, près, à peu près convaincu. Son second frère, Alfred, se dirige également vers la prêtrise. Et les deux plus jeunes vont faire des études, l'un de droit et l'autre de médecine. Le, celui qui a fait des études de médecine n'exercera pas, il meurt, il meurt assez jeune à la fin de ses études. Ceci pour dire que si les parents de, de Béranger avaient eu les moyens de payer des études aux, aux plus jeunes, ils avaient d'autant plus la faculté de le faire pour les aînés. Ce qui veut dire que si les aînés, les aînés ont choisi la prêtrise, ça n'était pas pour échapper à leur misérable condition de petits paysans, ce qu'ils n'étaient pas. Et son père, à côté de ça, était directeur de la minoterie de Montazel, et il était aussi, euh, il était aussi le régisseur d'une énorme propriété qui appartenait à un aristocrate de la région qui vivait sur Paris. C'est-à-dire que c'était des gens, des gens aisés. D'ailleurs, leur maison, la maison de famille de béranger sonnière existe toujours au, au cœur du village de Montazel, en face d'une très belle fontaine. Avec quatre dauphins tout près de l'église, c'est une, une maison cossue. C'est pas une chaumière. Il est le parrain d'une de ses sœurs, hein, Rosemarie Adeline. Alors là, je vois que vous avez fait des recherches très poussées parce que vous me l'apprenez. Il fait ses études, euh, la scolarité à l'église Saint Louis à Limoux, puis il rentre au grand séminaire de Carcassonne. Voilà, il rentre au, au petit séminaire d'abord et, et parcours obligé, hein, petit séminaire et ensuite. Euh, Ensuite grand séminaire. Petit séminaire, d'ailleurs, ça dit en passant, c'est encore un clin d'œil de l'histoire, mais qui est amusant à, à relever, et qui est devenu par la suite l'école Saint-Stanislas, où j'ai fait mes études quand j'étais gosse. Il y a le village d'Alette. Oui. Alette est un village aussi mystérieux. Parce que cette région mmh. dont nous allons parler, dont vous allez parler, Jean-Luc Robin, est très chargée, selon moi. Est-ce que vous confirmez c'est exact, c'est exact. Des... C'est une région qui est truffée de, de mystères. Pour parler eh c'est euh, au XVIIe siècle, c'est Nicolas Pavillon, évêque d'Alette, évêque janséniste. Euh, c'est les origines de la famille de Nostradamus, puisqu'il semblerait que les arrière-grands-parents de Nostradamus étaient originaires d'Alette. C'est vrai que Nostradamus était d'origine juive. Je crois que c'est son grand-père qui s'est converti pour épouser une, une chrétienne et se débarrasser de sa femme qui était insupportable. Et bon, Nostradamus a vécu Saint-Rémy de, Saint de, de Provence. Ah ouais, ouais. Mais la, la famille aurait ses origines à, à Alette. Et on montre encore à Alette la maison rue de la juiverie d'ailleurs, la maison de Nostradamus, qui est une maison d'angle, où les, les corbeaux sculptés qui supportent le premier étage sont enrichis de décors dont... Euh, des étoiles de David au sceau de Salomon. Nous en reparlerons, mais Aleph, on n'est pas loin de Aleph. Exact. Bête guimel d'Alet. Oui. <laughs> il fait euh, donc euh, ses études à. Il est vicaire, il est ordonné prêtre euh, en juin 1879. Il est vicaire d'Aleth du 16 juillet 1879 à, 1980, à 1882. Il est curé du doyenné de Clat. Le Clat. Clate. Le Clat. Le C'est un, un trou perdu sur le plateau de Sceaux, battu par les vents. 282 et... habitants. Oui, oui, oui. Et puis ensuite, on le nomme à, on le nomme à Rennes-le-Château. Alors là, il se rapproche de son. Il est prof euh... au séminaire de Narbonne avant, quand même. Non, c'est après. Après C'est après. C'est après. Il faut, ça, il faut absolument qu'on parle de ce passage de Narbonne, parce que, euh, pour moi, du moins. C'est euh, primordial. Pour moi, c'est à ce moment-là que tout a basculé dans la vie de Béranger-Sonnière. Vous savez, lorsqu'il est nommé à Rennes-le-Château, c'est pareil. Certains pensent, disent que... Euh, bon, ils ont peut-être raison, mais je ne pense pas. Euh, Qu'il a été nommé à Rennes-le-Château, il a été posté à Rennes-le-Château avec un but très précis. Euh, oui, ils ont raison. Mais lorsqu'ils disent ça, ils laissent il laisse entendre qu'il a été posté là-bas dans le but de trouver un trésor, de trouver des documents. Mmh, de mmh. Je ne crois pas, pas au départ du moins, je pense que lorsqu'il a été nommé à Reine le Château, c'est simplement que son évêque, en bon euh, tacticien, a voulu, dans un village difficile où il n'y avait pas de prêtre depuis plusieurs années, un village, un village qui était à l'image de la France à l'époque, un village qui était coupé en deux. C'était les blancs d'un côté et les rouges de l'autre. Il y avait le maire et son adjoint qui était instituteur qui était radicaux socialiste mmh. et de l'autre côté le curé qui était royaliste. Est Mais la lui, lui est la complètement anti-républicain. Ah, totalement. Farouche, C'est d'ailleurs ce qui va lui valoir son, son, son départ à, à Narbonne. Euh, à la veille des élections euh, législatives, Béranger Saunière va haranguer ses paroissiennes en essayant de les convaincre, euh, de leur faire entendre plutôt qu'il faut convaincre leurs maris, puisque les femmes ne votent pas encore à l'époque. Euh, et les maris euh, qui, eux, votent, attendent la fin de la messe, pour la plupart, attendent la fin de la messe dans un des deux bistrots du, du village. Et il faut que ces dames rentrant à la maison, euh, avant qu'on aille au bureau de vote, arrivent à convaincre leur mari de voter anti-républicain. Et on a retrouvé le, le brouillon de ce prêche, c'est virulent. C'est virulent, la République, l'œuvre du diable, euh, la République euh, anti-religieuse, euh, le danger qu'elle représente pour nous, le salut de nos âmes, etc. Le, le prêche, c'est plus un prêche, c'est un discours politique. Et bon, évidemment, la partie, la, la moitié du village euh, qui, est, qui est républicaine s'en émeut. Et comme les élections vont être remportées précisément par les républicains, il va, il va lui en être euh, tenu rigueur. Les prêtres étaient encore payés par l'État, puisqu'on est avant 1905. Et le, les autorités, par la voix du, du préfet, vont supprimer le traitement de Béranger-Saunière. Il, il y a trois prêtres du diocèse qui vont faire l'objet de la même. Euh, de la même mesure, mesure de rétorsion. Donc il se retrouve sans revenu. Il se retrouve sans revenu et c'est là que son évêque va le déplacer et va l'envoyer à Narbonne, à Narbonne comme répétiteur au, mmh. au séminaire de Narbonne. Est-il indiscipliné <coughs> On le dit anarchiste, on dit de lui qu'il ne respecte rien, qu'il se sent un homme libre. Un homme libre, certainement. Ouais. Un nîmes, certainement. C'est un fort caractère. C'est une histoire récente. 1,79 m. 1,79 m, je me suis amusé à, à mesurer... Par euh, rapport à la porte Par rapport à une photo où il est devant la porte de l'église. Et bon, c'est facile à ce moment-là de mesurer exactement ça. Et puis, il y avait, on avait ses habits aussi. C'était un gaillard. Hein. On le voit sur toutes les photos qu'on a de lui de l'époque. On en a un certain nombre où il est à côté de... À côté d'habitants du village, à côté d'ouvriers, il les dépasse en général d'une bonne tête. C'était c'était un c'était un gars du un Occitan, euh, un gaillard, un gaillard. Il aurait été un trois carrel de rugby. Euh, C'est quelqu'un qui était fort en gueule. C'est donc Amiot c'est donc camillot l'histoire de béranger sonnier au départ dans ce village c'est pépin et donc camillot c'est la lutte continuelle du curé contre l'instituteur contre oui. euh, ou contre le maire et puis ce sont des gens qui s'apprécient et qui s'aiment bien quand même et qui en dehors des joutes qui se sentent obligés de tenir en face de leur, euh, de leur auditoire se retrouvent, le, mmh. se retrouvent le soir pour discuter euh, de façon amicale c'est exactement cette, cette atmosphère-là mais jean-luc euh, Jean robin ce que j'attends de vous c'est de nous parler de Béranger Saunière, tel que vous avez pu le pressentir, je dirais presque le, le vivre, quand vous avez habité. Parce que on nous donne des images, des trucs, des machins. Il est si, il est ça. Mais c'est un bonhomme avant tout. C'est un bonhomme avant tout. Et si vous voulez, moi je l'ai senti de la façon suivante c'est un homme de conviction. C'est un homme qui a le, le courage de ses convictions, c'est un homme qui, comme je le disais tout à l'heure, qui a la vocation, c'est un, un prêtre avant tout, c'est un homme de Dieu. Il a une, une foi solidement chevronnée au corps, il, il, est, il sait, il est persuadé qu'il a raison et il veut faire prévaloir ses idées. Je pense que c'est quelqu'un à qui il devait être difficile de, de tenir tête et je vais même jusqu'à penser... Que, à bout d'arguments, euh, ça ne devait pas lui faire peur de retrousser les manches de, de sa soutane et d'aller à, à la castagne. C'est cet esprit-là. Oui. C'est cet, esprit, cet esprit rebelle du Sud, ce, solide, costaud, euh, et, et, et qui, bien enraciné et qui ne veut pas lâcher un pouce de terrain. Ça, il occupe le terrain. Alors, occupe le terrain. Un disciple qui n'est pas euh, en accord total avec la discipline ne supporte pas la discipline. Il supporte pas la discipline. Euh, ça se passe bien au départ parce qu'il a un évêque qui semble le protéger, mais à partir du moment où l'évêché ou l'évêque va changer, où l'évêché va lui, lui chercher des noises, euh, Béranger peut réagir très violemment. Très violemment, il va, il va, il va s'opposer à sa hiérarchie. Alors à côté de ça, c'est un homme qui a des côtés euh, touchants. C'est un homme avant tout, c'est vrai que c'était un, un bel homme, vous savez que les, les quelques petites vieilles qui étaient encore en vie il y a, a 10-15 ans dans le village, lorsqu'on parlait du curé et qu'elles s'en souvenaient, disaient toujours ⁇ Ah mais c'était un bel homme, c'était un bel homme ⁇ et c'est vrai qu'il a il a, il a il a de la prestance. C'est quelqu'un qui aime la bonne vie, tout prêtre qu'il est, ça ne l'empêche pas d'apprécier les, les joies de ce monde, il aime le luxe, il aime les belles choses, il aime les œuvres d'art. Il aime les femmes et, et, et il leur plaît, c'est évident. Euh, donc, c'est déjà quelqu'un qui est un peu balancé entre euh, euh, l'austérité à laquelle il devrait se, se tenir et, euh, et les joies de ce monde. Et là où on le voit, et c'est là où Béranger Saunière commence à, à s'effriter un petit peu et, euh, et à me faire un peu de la peine, si vous voulez. Je l'ai suivi pas à pas. Je suis pas à pas dans ces. Dans ses brouillons de lettres. Dans... Vous savez, quand il, faisait un... quand il faisait un courrier, il faisait deux, 3, 4, jusqu'à 5 brouillons et cinq versions différentes sur, la même, euh, sur le même sujet, pour voir un petit peu peut-être celui qui collait, qui collait le mieux. Il tenait un journal, il tenait des comptes. On a tout ça, on a une bonne partie de ces archives. Beaucoup, bon, pas mal ont disparu parce qu'elles ont été prêtées, par restituées, elles se promènent de ci, de là, elles réapparaissent de temps en temps sous forme authentique ou sous forme de photocopie, il y a des résurgences régulièrement, mais le fond euh, de ces archives est quand même toujours en possession de la famille euh, captier corbu Corbus, euh, qui sont fait déposséder souvent par, euh, par euh, trop de gentillesse et trop de, de, de crédulité. Mais on arrive en le suivant comme ça, à ces factures, on a toutes ces factures d'achat de meubles, d'objets, et on voit qu'à partir d'un moment... Alors ça, je pense qu'il faudra qu'on rentre en détail dans ce côté-là, mais à partir d'un moment un moment où il a découvert quelque chose, on sent que c'est un homme qui est perturbé, c'est un homme qui, comme son confesseur euh, à la fin de sa vie, va changer. C'est un homme qui ne participera plus aux fêtes du village, qui ne, plus, qui ne participera plus aux moissons, aux vendanges, etc., et qui va se réfugier dans son, dans son domaine, et, euh, derrière des volets clos. Et on voit en même temps, euh, à cette époque-là, les, les commandes de vin et d'alcool, de spiritueux, monter en flèche. C'est-à-dire qu'il est, est, est manifestement perturbé. Et c'est aussi à cette époque-là qu'il va truffer son domaine de signes. Comme si c'était quelqu'un qui, à partir d'un moment de sa vie, euh, jusque-là, a, a vécu une existence relativement bénie des dieux et, et s'est euh, délecté tous les jours d'un miel qui lui tombait tout seul dans la bouche. C'est quelqu'un qui, brusquement, va se trouver confronté à un, un secret, un secret ou une révélation, à quelque chose de trop lourd pour lui. Il a un fardeau sur les épaules, il a promis le silence. Ce silence, il tient parole, il ne le rompt pas, mais il essaye quand même de nous donner des, des indications. Et il change dans sa vie, il change, il devient, il devient taciturne On sait que l'alcool, à un moment dans la vie de Béranger Saunière, a joué un rôle Très certainement, et je pense que, que l'alcool a joué un rôle dans sa disparition prématurée. Il n'avait que 64 ans. Pour une force de la nature, bon, je sais qu'à l'époque, l'espérance vie était plus réduite qu'à l'heure actuelle, mais il souffrait de la goutte. Excusez-moi, mais la goutte, ça ne s'attrape pas euh, en buvant du lait concentré. Et il avait perdu l'usage d'un œil. Un œil et il un avait, oeil en verre Oui, ouais, oui. Tous ces petits détails ces petits dont détails. nous parlons tous les deux, ouais. qui ne sont pas forcément connus. Non. a 50 et qui... ans, hein, l'œil ouais. de verre. Et qui, nous, et, qui nous, et qui nous éclaire par euh, tous ces petits détails mis bout à bout, nous éclaire sur la personnalité du, de Béranger. Moi, c'est ce qui... Voilà le travail qui m'intéresse, c'est de faire ressortir la personnalité de, de cet homme. Est-il vrai, vrai qu'il jouait à la loterie C'est exact. C'est exact. Il faisait... Si vous voulez, il aimait... Il, aimait, il, est, il est certain qu'il aimait l'argent. Et il a essayé de gagner de l'argent de toutes, de toutes les façons. Alors la fortune lui a souri. Il a fait des découvertes et il a, on est au moins sûr qu'il a découvert un magot d'une certaine importance. Ce n'était pas le trésor des Templiers, mais c'était quand même une marmite pleine de pièces d'or et de bijoux. Et Je souhaite à tout chercheur de trésors demain d'en trouver une et j'aimerais bien en trouver une. Encore faut-il que je me mette à chercher, ce que je ne fais pas. Et... À côté de ça, euh, il va chercher à faire fructifier son argent. Il, il joue, à des, il achète des, des billets de, il achète des billets de, de loterie. Pas n'importe lequel, hein. la loterie de la maison de retraite des artistes. Exact. Vous voyez que j'ai bossé. Oui. <laughs> Bravo. Mais cet homme qui est euh, entre le spirituel et le laïc, on peut dire de ça, de lui Ah, oh, je pense. Oui. 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 oui, je pense tout à fait. Tout à fait. C'est quelqu'un qui a, je vous dis une fois, à mon avis très très solide. Le, je on, on, on pourrait qualifier au départ de la foi du charbonnier, et qui en même temps a des appétits. des appétits. Euh, C'est pas le petit curé falot, euh, maigrichon, euh, diaphane. C'est une force de la nature. C'est un sanguin. C'est un garçon qui a. a C'est un garçon qui a des appétits. Et ces appétits, ben, il faut absolument qu'il arrive à les à les assouvir. Donc il est toujours un peu en, en contradiction dans sa, dans sa vie intérieure. Narbonne. Ah, revenons Important, à Narbonne. Le passage, parce qu'il y a deux passages à Narbonne. Vous savez, quand euh, il est révoqué par, par son évêque, on le remet à Narbonne. Oui, lorsque, après, après le, la fameuse, le fameux oui. épisode de son discours qui n'avait pas plu aux autorités républicaines. Ah, oui, racontez-nous. Ah. Alors, Narbonne, ben, il se retrouve effectivement à Narbonne. À Rennes-le-Château, d'ailleurs, la paroisse est laissée sans prêtre. Il n'y a, a pas de remplaçant qui est, qui est nommé. Et il se retrouve répétiteur au petit séminaire de Narbonne. ici s'y ennuie ferme. On a des courriers qu'il écrit de là-bas où ben, ils ils d il s'embête. Il s'embête d'abord parce qu'il ne peut pas donner de libre cours à, sa, à son besoin de dépenses physiques. Euh, il regrette de ne plus pouvoir parcourir les bois pour aller à, à chercher les champignons. Il regrette de ne plus pouvoir aller à la chasse. C'était un braconnier de premier ordre. Euh, de ne plus pouvoir aller à la pêche. Il connaissait tous les trous tous les trous du ruisseau de, de couleur pour pêcher les truites et les écrevisses. À l'époque, il y en avait encore. Et il s'ennuie ferme Narbonne. Alors, il, il est. Logique de penser que s'il avait quelques loisirs de temps en temps, j'imagine que dans la semaine, il y avoir un jour, probablement le dimanche après-midi, après le dimanche matin étant occupé par l'office, par mais le dimanche après-midi, j'imagine qu'il devait être, être libre. Il est tout à fait logique d'imaginer qu'il se soit rendu euh, à quelques kilomètres de là euh, pour rencontrer son frère Alfred, parce qu'à l'époque où Béranger saunière et euh, en poste à Narbonne, en pénitence quelque part, hein, en quelque sorte à Narbonne, son ça frère... Mois, hein. oui, ça ne dure que six mois. ça ne dure que six mois. Mais son frère Alfred, à ce moment-là, est euh, précepteur des enfants du marquis de Chef-de-Bien. Le château euh, est dans les environs de, de Narbonne. Il est tout à fait logique qu'en une heure de marche, Béranger-Saunière se soit rendu le dimanche euh, euh, chez Chef-de-Bien. Là, c'est de l'intuition, la... mais ça me paraît tellement, ça me paraît tellement euh, évident. Et lorsque Béranger-Saunière revient à Rennes-le-Château, après six mois, il a de l'argent en poche. Il Tiens. a une première somme importante qui lui a mmh. été donnée, 3000 francs. 3000 francs or, ça représente euh, à l'époque à peu près 50 salaires du prêtre. Chef 1000, de bien non, ce n'est pas chef de bien qui lui a donné. Sonia nous le dit dans ses comptes, il le marque 3000 francs, dont de Madame la Comtesse de Chambord. Et moi, c'est la première chose qui m'a intrigué. Cela, on, on le sait, ça a été repris dans des tas d'ouvrages. On connaît, on connaît ses écrits, on connaît cette, cette ligne dans son journal. Et puis, personne ne s'est beaucoup plus inquiété, intéressé à ça. Mais moi, je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi la comtesse de Chambord donne 3000 francs à Béranger Sonnier Alors bon, elle était... D'une certaine prodigalité, elle a, elle a aidé à la construction de beaucoup d'églises, de, beaucoup monastères, elle a fait beaucoup de dons à des œuvres pieuses. Mais pourquoi va-t-elle aider ce petit curé de campagne dans un village, Reine-le-Château, dont personne à l'époque n'a encore entendu parler Pourquoi cette personne, qui n'est quand même pas n'importe qui, elle a failli être reine de France C'est la veuve de Chambord qui aurait dû régner sous le nom d'Henri V la restauration, et ça c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier pour comprendre les mentalités de l'époque, c'est que la restauration de la monarchie a failli se faire. On était tellement sûr que ça allait se faire, puisqu'on avait une majorité euh, monarchiste à la Chambre, qu'on avait euh, frappé monnaie à l'effigie de, de Chambord. D'ailleurs, ces pièces sont très recherchées par les numismates. Et puis Chambord, à la dernière minute, a renoncé. L'histoire en a retenu qu'il n'avait pas euh, voulu accepter. Le, le drapeau tricolore et qu'il voulait imposer le, le drapeau blanc. Bon, ça c'est ce que l'histoire en a retenu, et l'histoire étant en général écrite par les vainqueurs, elle est souvent très schématique, mais c'est quand même c est, c est ce, qui, est ce que les esprits retiennent. La réalité était autre c'est que Chambord, malgré le fait qu'il y ait eu à l'époque à la Chambre, effectivement, une majorité royaliste, Savait très bien que si la monarchie était restaurée, le pays risquait d'être plongé dans le chaos. Et c'était la dernière chose qu'il voulait, c'était que les Français s'affrontent. Il a préféré, préféré s'éclipser. Bon, voilà pour cette petite, euh, cette petite parenthèse historique. Mais je me rends compte que euh, le, la première somme d'argent qui va permettre à Béranger-Soignière de restaurer son église, puisque c'était là son vœu le plus cher, cette première somme d'argent lui est donc donnée par la comtesse de Chambord, veuve de l'héritier au trône de France. Quelqu'un qui aurait dû euh, être reine de France. Et je me rends compte en plus que cette personne est la nièce de l'empereur d'Autriche. Elle est liée, c'est une c'est une Hasbourg. Bon. Qui vient un jour à Rennes-le-Château L'archiduc d'Autriche serait venu à Rennes-le-Château. Euh, Comme François Mitterrand allait François Mitterrand est vraiment venu. Quinze jours avant. Quinze hein. jours avant son élection, oui. Et non pas quelques. 48 heures après. après. Et oui, il y a parfois une façon de présenter les faits qui peut induire. Je sais que euh, l'ami Gérard de Sède, Dieu et son âme, euh, bien qu'il n'en ait pas voulu, puisqu'il s'est fait enterrer avec le drapeau suvétique sur son, sur son cercueil, mais Gérard de Sède met dans son, journal, euh, dans son journal, dans son, dans un, dans son dernier livre, euh, où il dénonce un certain nombre de, de forfaitures sur Rennes-le-Château. Euh, sous la photo de Mitterrand, euh, François Mitterrand visitant l'église de Rennes-le-Château, les gens légende... se trouve à côté du diable. Hein. Oui, <laughs> oui, il regarde le diable. Il regarde le diable. Et, et, et je me suis amusé, petit clin d'œil dans, dans mon livre, à relever ce détail. C'est que euh, au moment où, Béron, ou, pas -le où François Mitterrand regarde le diable, ils ont tous les deux exactement le même profil. C'est très c'est très amusant. J'ai la photo sous les yeux. Hein. Hein. Parce que ce que je dois dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que c'est assez inhabituel pour un livre. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos en noir et blanc et en couleur. C'est vrai, il y a plus, plus d'une centaine de photos en couleur. C'est un, un livre qui est très illustré. J'ai eu énormément de chance. Vous savez, je, quand j'étais dans le domaine, j'ai reçu la visite, ça remonte à 7 ans, de deux garçons, deux frères, les frères Pauvert, euh, qui très gentiment m'ont demandé l'autorisation, à l'époque, ce que peu, peu de gens faisaient, l'autorisation de prendre des photos, en me disant, voilà, on est, on est journaliste professionnel. Et on aimerait faire quelques photos du, du domaine, est-ce que vous nous y autorisez Moi j'ai dit oui, écoutez, aucun problème, avec le plus grand plaisir, puisque la gentillesse de me, de me demander l'autorisation. J'ai une seule condition, si un jour j'ai besoin de quelques photos, ne serait-ce que pour éditer une carte postale ou un article ou un livre, parce que je songeais déjà à l'époque à écrire un livre sur le sujet, est-ce que je peux faire appel à vous Ils m'ont dit :« Bon, mais il n'y a, a pas de problème. On en est resté là. » Et lorsque j'ai été contacté par les éditions Sud Ouest pour écrire ce livre, j'ai euh, écrit aux frères Pauvert en disant :« Voilà, je vais publier un livre sur Rennes-le-Château. Est-ce que, est que vous vous souvenez de votre promesse Est-ce que je peux avoir quelques photos ?» Et par retour du courrier, ils m'ont envoyé 250 diapositives qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc, c'est les photos qui illustrent ce livre, et d'autres ont été faites par un par Laurent Tellier, qui est un excellent photographe du, du journal Sud-Ouest. Donc j'ai vraiment la chance d'avoir eu de très très, belles, de très très belles photos qui illustrent ce livre. Jean-Luc Robin, excepté euh, le profil, le nez du diable et le nez de François Mitterrand, le diable n'a pas de chapeau, Tonton a, a son chapeau et son, fouet et son écharpe. Il n'y a que le nez qui les rapproche. Qui a eu le plus de nez <laughs> Celui qui était élu ou celui qui était déjà là Ah mais ils sont là tous les deux Face à face. C'est un face à face amusant. Mmh. Un face à face. Regardez, regardez, la, regardez la, la mimique de Mitterrand. Regardez cet œil amusé. Il mmh, y a le sourire, oui. Ce sourire. Et vous savez, c'est une histoire, à mon avis, euh, Reine-le-Château avec tous ses mystères, c'est une histoire qui ne pouvait pas laisser indifférent à un, à un homme comme, euh, comme Mitterrand, pétri d'érudition et, et, et très intéressé par tout ce qui est euh, occulte, ésotérique, etc. Moi, je pense que Mitterrand a dû énormément s'intéresser à cette, à cette à, histoire. À cette histoire de rennes le château ouais. Alors, vous confirmez bien, il y est venu simplement parce qu'il était dans une période dite électorale exact. et qu'il n'est pas venu à rennes le château pour signer un pacte avec le diable. Oh, je pense pas qu'on puisse aller jusque là quand même. Mais bon, quinze jours plus tard il était élu. Oui, comme par hasard. <rire> <rire> comme par hasard. Ça donnait lieu à la naissance d'une légende d'ailleurs. Euh, à la suite de cette visite de Mitterrand qui, quinze jours plus tard, va se trouver euh, élu président de la République, une nouvelle légende a commencé à naître, comme quoi tous les présidents de la République étaient passés par Rennes-le-Château, auparavant, un peu comme s'ils devaient aller se faire adouber Adoubé, à Rennes oui. le Château. Oui. C'est peut-être le Reims des présidents de la République. De Gaulle y serait passé oh ben, Certains vont vous le dire. Mais il y a un Giscard. Hein oui, il y a un Giscard, mais ce n'est pas le même. C'est enfin, y a Giscard. deux Giscards. <laughs> ce n'est pas Giscard d'Estaing. Le, le Giscard qui s'attache à l'histoire de rennes le château c'est le, le. Fabricant de statues. Le sculpteur et fabricant de statues. Mmh. Euh, c'est une vieille maison de Toulouse qui. Euh, le dernier euh, descendant est mort euh, l'an passé. Il a d'ailleurs. Euh, Très intelligemment fait don de tous ses ateliers et de toutes ses œuvres à, à la ville de Toulouse, qui, je pense, dans les années qui viennent, en fera, en fera un musée. La maison de Giscard, des Giscards à Toulouse, est intéressante. La façade est truffée de, de, symboles, de symboles maçonniques, et c'était quelqu'un qui travaillait exclusivement avec, euh, avec les ecclésiastiques. Alors après cette escapade, Giscard, Mitterrand, Jacques Chirac a été à Rennes-le-Château. Je ne l'ai jamais vu. Je l'attendais avec impatience. À la suite de ça, puisque, ben, puisque tous les présidents de la République euh, pourquoi pas lui vont venir, pourquoi pas lui Lorsque euh, les élections suivantes se sont présentées, ben, je m'attendais à voir. Je me disais peut-être voir si je vois l'un des candidats, je pourrais balancer un scoop en disant c'est lui le futur président. Euh, J'ai guetté, guetté, guetté en vain. Non, je ne l'ai pas vu. Bien. Alors un Narbonne, cet épisode de, de Narbonne qui dure six mois et qui est décisif. Parce que, parce que Béranger Saunière. Est réintronisé à Rennes-le-Château. Il est réintronisé à Rennes-le-Château. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Comment ça s'est passé C'est ce paroissien, ces paroissiens qui vont former une, euh, une délégation, qui vont se rendre à la préfecture, le maire en tête, et qui vont demander à ce que la punition soit levée. Et effectivement, le préfet va se laisser fléchir et va laisser revenir Béranger-Saunière à Rennes-le-Château. Ça veut dire que. Avant même qu'il ait de l'argent, avant même qu'il soit riche, c'était un homme qui avait su se faire apprécier de ses paroissiens, puisque ce sont eux-mêmes qui vont aller plaider sa cause pour qu'il revienne. Mais la municipalité est tout à fait d'accord avec les paroissiens. Le maire, le maire de, de l'époque euh, a toujours tenté de ménager la chèvre, et le, la chèvre et le chou. Et puis il y avait une estime entre les deux hommes. Il y avait une estime entre eux. Il y avait aussi une estime entre béranger Sonnier et l'instituteur de l'époque. C'est une petite anecdote. Par exemple, une fois, j'étais en train de faire la visite du domaine, dans le musée que j'avais créé avec Antoine Captier. Et euh, parmi les, les documents qu'on exposait, il y avait une carte postale qui représentait euh, le château de Rennes, vu de la face nord, et dans le champ en face de ce château, deux personnages. Et une petite dame, une vieille dame, qui était dans le public, à la fin de la visite, s'approche timidement de moi et me demande si je ne pourrais pas... Lui donner une de ses cartes postales. Alors j'ai je dit, je suis désolé, je n'en ai qu'une. Je vous en fais une photocopie, si vous voulez. Mais ai dit, mais qu'est-ce qui vous intéresse C'est la vue du château euh, sous un angle inhabituel. Elle me dit, non, non, pas du tout. Elle dit, ce qui m'intéresse, c'est ce monsieur en blanc là, avec son canotier et son petit chien. Elle dit, c'était mon grand-père. Il s'appelait Saunière. Elle me dit, il n'avait aucun rapport de parenté avec l'abbé Saunière. C'est un, un nom de famille très courant dans la région. Il s'appelait Saunière et c'était l'instituteur du village. Alors elle me dit, avec le curé. Euh, mon grand-père m'a souvent raconté euh, que, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la journée, il faisait semblant de s'opposer se, de se, euh, politiquement, mais le soir, comme ils étaient les deux seuls lettrés du village, eh bien, l'instituteur qui s'appelait Saunière franchissait le portillon du presbytère et allait rejoindre le curé Saunière et y passait la soirée ensemble en descendant une bonne chopine et en discutant de bouquins ou en jouant aux échecs, etc. Et même Saunière demandait à cet instituteur, son, qui était donc son opposant, lorsqu'il descendait, c'est vous dire à quel point il avait malgré tout confiance en lui, euh, lorsqu'il descendait avec Ouisa, il lui demandait d'aller de toucher des mandats pour lui. Parce que Saunière recevait beaucoup de mandats par la poste. Et voilà pour la première partie, dont vous voyez on est au plus près de la vie de l'abbé Soignière et de son parcours avec une multitude de détails et surtout sans théorie fantaisie, c'est ça que j'ai ai aimé dans cette interview. On en a aperçu de tous les personnages, les intervenants, bah comme Marie Desarneaux forcément, etc. Et comme je vous disais, on se laisse embarquer dans l'histoire avec grand plaisir. Moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses. Alors, malgré l'intervieweur, on va dire, facétieux, en l'occurrence Jean-Claude Carton, j'ai nommé, <laughs> qui peut en rebuter certains par ses coupures intempestives ou ses blagues limite, limite, mais c'était quand même un des rares à proposer des entretiens de 4, 5, 6 heures sur des sujets comme ceux-là. Donc, euh, un grand merci et paix à son âme, car Monsieur Carton nous a quittés il y a quelque temps, déjà. Euh, donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que Jean-Luc Robin, au-delà du fait d'être sur place, avait accès grâce à Antoine Capier et euh, Claire Corbu, la fille de Noël Corbu. Noël Corbu qui a hérité du domaine de Saunière à la mort de Marie Desnarnaud. Donc, pas n'importe qui. Donc, Jean-Luc Robin avait accès grâce à la fille de Noël Corbu aux archives, euh, factures, devis, courriers. Quelques rares photos, aussi, il me semble, et surtout, surtout, au journal intime de l'abbé Saunière, ce qui permet de coller au plus près à la vie, au train de vie et aux agissements de, de l'abbé. Donc, combiné au sérieux de M. Robin, on colle au plus près et avec cohérence à la vie de Saunière, et c'est passionnant. Voilà une autre partie intéressante de l'interview, c'est la partie sur Marie Desnarneau, personnage emblématique de, de cette histoire, et sa relation avec l'abbé Saunière à travers son journal et les courriers qu'ils s'échangeaient. Bon, maintenant, revenons quand même à Narbonne. Mmh. Revenons quand même à Narbonne, parce que il, faut, il faut développer cet aspect-là. Donc, Saunière revient dans son village, il peut réaliser son rêve, il peut restaurer euh, son église, il a de l'argent pour le faire. Ce n'est pas des fonds illimités, mais il a quand même 3000 000 francs pour attaquer les travaux. Il s'attaque tout de suite. Il s'attaque tout de suite à son il s'attaque tout de suite à son église. Et c'est là qu'il va faire ses premières découvertes. Ce qui m'a permis d'imaginer que s'il si n'avait pas été mandaté dès le début à Rennes-le-Château pour Jean-Luc Jean Robin, oui. Je voudrais faire durer encore un peu. Parler des relations, pardonnez-moi, hein. <laughs> nous avons jusqu'à 6 heures du matin. Parler des relations entre Saunière, les femmes, il y en a dans nombreuses dans sa vie. On a parlé beaucoup de Emma Calvé, mais il y en a une qui reste dans l'ombre et qui est pourtant plus proche de Béranger. Je pense à Marie, mmh. Marie de Darnaud. Euh, vous m'avez dit tout à l'heure que vous prépariez un, un livre sur la, la vie de Marie. Ce n'est pas un livre sur la vie de Marie, enfin oui, si l'on veut. Mm. C'est un, un, un amusement auquel je vais me, me livrer. Je vais tenter d'écrire le journal de Marie Delarno. Alors, je n'ai pas l'intention de prétendre que je suis tombé, soyons très clairs. Hein, vous êtes un peu suis... amoureux de Marie, vous aussi Elle est attachante, n'est-ce hein. pas Elle est attachante. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle sait se faire apprécier. Mm. Hein Donc, je vais essayer de. de, de d'écrire à sa place, d'écrire à sa place son journal, et ça sera l'histoire de Rennes-le-Château vue par le, par le petit bout de la, de la lorgnette, avec des, des remarques comme peut en faire une petite paysanne euh, astucieuse et finaude, des petites remarques sur la vie de, de l'abbé, euh, des choses qu'on m'a rapportées, euh, Marie disant aux gens du village. Euh, Oh, vous savez, le soir, euh, l'abbé et moi, nous passons le moine dans le lit. Oui. Vous voyez oui. Euh, bon, ce genre de petites choses. Et puis, c'était une excellente cuisinière. Mmh. C'était une fine cuisinière. C'est pour ah. ça qu'il est intéressant de, de parler, de, de, parler de, de Marie, parce qu'on parle des conquêtes, entre guillemets, de Béranger-Saunière. C'est vrai qu'il aime bien l'aristocratie. Il rencontre beaucoup de, de personnes qui ont un d'eux dans la famille, dans le nom de famille. Mais ça, c'est, je vais dire, c'est presque banal. Mais il y a. J'ai vraiment le sentiment que Marie et Béranger étaient vraiment des amoureux. Il est difficile, il est difficile de ne pas imaginer le contraire. Euh, on a des. Bon, d'abord, on a qu'à voir l'attitude de Marie à la mort, euh, à la mort de Béranger. C'est une veuve. Elle se comporte comme une veuve. Elle s'habille en noir. Elle vit recluse chez elle. Elle lui rend visite toutes les nuits au cimetière. Elle n'y allait pas dans la journée. Elle y allait la nuit. Toutes les nuits, elle va fleurir sa tombe. Pour être seul dans le cimetière avaient, dans lequel ils avaient fouillé ensemble autrefois. On a des lettres que je reproduis un certain nombre dans mon, dans mon ouvrage. On a des lettres qu'écrit qu Béranger Saunière alors qu'il est en, il est en retraite, euh, retraite spirituelle au monastère de Prouille où son évêque l'a envoyé pendant une quinzaine de jours. Il écrit tous les jours à Marie Ma chère petite Marinette, ma chère Marie, il signe ton rangé ton affectionné Béranger. À un certain moment, dans une lettre, il lui parle d'une jeune fille qu'on a mise à sa table. Vous savez, dans un couvent, il y a le, le côté, des, le côté des, des nonnes et puis les, les, les tables des invités. Et à sa table, on a mis une jeune fille de la bonne famille qui vient de Limoux, je crois. Et il se répand en compliments sur cette fille qui est si gracieuse, si jolie, si mignonne, si vive d'esprit, qui a des yeux malicieux, etc. Ma petite Marinette, encore trois ou quatre jours et c'est la fin. Mon retour à la maison et à nos lapins. La demoiselle de Marseille, que j'avais trouvée à côté de moi au petit déjeuner, a disparu comme par enchantement. On me l'a enlevée et je me retrouve seule à table. Et sur un autre passage, il, après s'être répandu en compliments sur cette jeune fille, il s'arrête brusquement et il met ⁇ Bon, j'arrête là parce que je vais finir par te rendre jalouse. Donc il est, on n'a même plus besoin de lire entre les lignes. Attendez, ce ne sont tout pas tout des mots d'amour, ça. Non. Adieu tous et surtout toi, ma bien chère Marie, ton dévoué et affectionné Béranger. ⁇ c'est eh touchant. Ouais. C'est touchant. Allez, oublions euh, ouais. le prêtre et, et la laïque. C'est un homme et une femme. C'est un homme. Et, et une qui vivent, qui vivent ouais. pendant combien d'années ensemble? Écoutez, quand, quand Saunière arrive à rennes le château en étant 85, euh, lorsqu'il se déplace dans le parce qu'au début il vit sous le même toit que Marie dans la maison des Denarnaud. C'est la maman de Marie, Alexandrine Denarnaud, qui est la bonne du curé au départ. Et qui est à l'âge requis, ce qu'on appelle l'âge canonique. Euh, Marine avec 18 ans, quand Béranger, qui en a 33, arrive à, à Rennes-le-Château. Et Lorsque Béranger va avoir les moyens de restaurer le presbytère, c'est toute la famille qui va le suivre dans le presbytère. Béranger a sa chambre au rez-de-chaussée et Marie, son frère et les parents habitent à, habitent à l'étage. Euh, lorsque béranger saunière meurt, les parents sont toujours en vie. Ils habitent toujours le, ils habitent toujours l'étage du presbytère. Donc c'est une c'est une, une affaire une liaison qui va durer de 1888 à 1917 c'est une affaire d'une trentaine d'années donc une vraie histoire d'amour une véritable histoire d'amour et lorsque ce, que je, ce dont je me suis rendu compte je me demande si Béranger n'était pas plus épris de Marie que de Marie que Marie ne l'était de lui mmh. il se plaint amèrement lorsqu'il lui écrit de ne pas recevoir de réponse à un moment il lui dit ce euh, n'est certainement pas ton courrier qui va me créer un excédent de, de bagages. Et sur une douzaine de lettres qu'il lui envoie, il finit par avoir une réponse. Et elle lui manque. Il dit tous les soirs, euh, avant de me coucher, euh, je bois un petit verre de cette excellente liqueur, Et liqueur que, que tu m'as préparée, qu'il emporte avec lui, ouais. dont un ami a retrouvé la recette. C'est très bon, j'y goûté. Une sorte de. De liqueurs à base d'herbe, il doit y avoir de, de la verveine, du thym, du serpolet c'est très agréable. Vous voyez comme euh, comme je suis actif. Et là encore un autre gros au moment de l'interview. Voici le menu des repas de l'abbé Saunière lors des grandes réceptions ou de grandes occasions, et ça fait envie, ça donne faim. Laurier Marie, que l'on pourrait appeler. Et j'en terminerai avec, avec mes questions pour laisser la place aux, aux auditeurs et aux auditrices. Il y a Marie, la, la bonne du curé, et puis euh, un jour il y a Jean-Luc Robin et la table du curé. <laughs> et la table de l'abbé, oui. Ça, ça vous convient <laughs> Vous parlez tellement bien de rennes le château de Béranger-Saunière, parce que vous y avez vécu. Vous avez été dans les traces, dans les pantoufles presque, dans le lit de Béranger-Saunière. Sans Marie, hein, je précise. Vous me l'avez sorti de la bouche. <laughs> La table du curé. C'est une, euh, une autre aventure. C'est un endroit. Euh, bon, j'ai fait mon métier de cette, euh, cette profession de restaurateur. J'étais chef de cuisine pendant longtemps. C'est un métier que j'aime bien. C'est un métier. Euh, vous savez, j'ai le même plaisir avec. Euh, quand j'ai je, je, quand fait un bon repas, que les gens non seulement me payent, mais me, me serrent la main et me disent merci parce qu'on a, on a passé un bon moment, on a passé une bonne soirée. On est des marchands de bonheur un cuisinier, un restaurateur et un marchand de bonheur. J'ai le même plaisir avec ce livre que je viens de, de publier. Les gens m'écrivent, me contactent en me disant on, on a passé avec ce livre un bon moment, on s'est régalé. Et c'est ce, ce même plaisir de, de, de donner, de recevoir, de donner de donner du plaisir. Et puis bon, ben, Rennes-le-Château, euh, avec mon, mon, mon restaurant actuel, je suis sorti de, un petit peu des, des sentiers battus de la restauration. Ça me permet de rencontrer des tas de gens extrêmement intéressants. Ça me permet d'organiser ces conférences, etc. C'est autre chose, si vous voulez. Ça déborde. Jean-Luc, j'ai eu un sourire interrogateur. Euh, vous publiez dans, dans le livre, je rappelle le titre du livre, Reine le Château, le secret de Saunière. Jean-Luc Robin un livre préfacé par Henry Lincoln, c'est aux éditions du Sud-Ouest, euh, vous publiez une, une photocopie d'un menu, d'un repas. Hein? Vous avez repris les mêmes. Non, vous vous rendez compte, vous avez vu le menu en question. Bon, oh je oui. pense que c'est un repas qu'a donné béranger Sonnière pour une occasion précise. Je ne sais pas à quelle occasion il l'a donné. Ça devait être pour une occasion bien, peut-être pour l'inauguration des travaux de l'Église lorsqu'il a reçu monseigneur mmh. Billard. Ce n'est mmh. pas impossible. Parce que là, il en dépense pas des Louis d'Or. Hein. Ah, mais c'est effrayant. Je sais... Mais ce que je me demande, c'est où il mettait ça. Vous avez vu que le foie gras arrive en douzième position, qu'il y a quatre ou cinq plats de gibier, trois plats de poisson, plus les rôtis. Mais c'est quelque chose de faramineux. Alors j'ai retrouvé le menu. Et puis j'en terminerai là. Alors voilà, ce menu est le suivant hors d'œuvre varié, fricassé, euh, fricassée, langouste sauce tartare, filet de bœuf du haut de Montebello, salmi de Canton de Pff, haricots verts. Ah, il y a quand même des légumes et raviolis, euh, lièvre flambé, euh, pintade sur canapé, euh, nid de perdreau pa pavé de foie gras. Voilà. <laughs> Asperges d'Argenteuil. Tiens. Euh, plombière, glacier, incroyable. il savait manger dans ce temps-là. Hein. Je sais pas où ils mettaient tout ça. Ils se dépensaient plus que nous et puis euh, les chevaux rentraient tout seuls à la maison aussi. Il y avait pas de radar. <laughs> et comment parler de Rennes le Château sans aborder le triptyque Plantard, Cherizet et Gérard De Sède Qui, de façon frauduleuse et plus ou moins malhonnête, hein, on va se le cacher donc ces trois compères, en s'emparant de cette histoire, ont contribué à l'ascension de ce mystère secret, trésor plus ou moins maudit. Donc parlons de Plantard. Il y a un personnage qui me choque dans Reine le Château, enfin, ah. dans l'histoire de Reine le Château, c'est Monsieur Plantard. Vaste sujet, Plantard. J'en parle, parle très peu dans mon, dans mon ouvrage. C'est pour ça que je peux vous poser la question. Il y a d'ailleurs certains, certains aspects de l'histoire de Rennes qui ont été débattus en long et en large dans beaucoup d'ouvrages dont je ne parle pas du tout. Pourquoi Parce que, euh, d'abord pour ne pas faire de peine, parce que ce n'est pas, pas le but de mon opération. Euh, pas faire de peine, pourquoi Parce que, en général, si je n'en parle pas, c'est que je n'y crois pas, personnellement, je ne suis, suis pas convaincu. Mais n'ayant pas les preuves formelles qu'il s'agit de, de montage ou qu'il s'agit de fausses informations, et n'ayant pas non plus les preuves formelles qu'il s'agit de, de choses authentiques, je préfère passer sous silence. Plantard, j'y ai fait allusion tout à l'heure, sans, sans le citer, lorsque mmh. je disais qu'un certain nombre de personnes avaient utilisé l'histoire de rennes le château pour accréditer certaines thèses et plantard et que certains d'entre eux frisaient le, le génie et c'est à plantard que je, que je pensais plantard était un je pense euh, quelqu'un qui avait une imagination euh, débordante il était absolument convaincu alors de quelle façon s'en était il convaincu mais il était convaincu qu'il était euh, l'authentique descendant des mérovingiens donc le seul euh, véritable prétendant à la couronne de france et pour illustrer son rêve et le faire passer dans la réalité il a truffé dès le départ l'histoire de rennes le château de façon à ce que ça aborde dans son sens et alors ce qu'il faut savoir c'est que lorsque gérard de sède écrit son, son premier livre sur rennes le château qui est ce qu'il va utiliser comme documentaliste il va utiliser plantard de saint clair donc évidemment plantard va faire passer par la plume en utilisant de cette, va faire passer les informations qu'il intéresse de faire passer. Et lorsque euh, Henry Lincoln, quelques années plus tard, s'intéresse de nouveau à Rennes-le-Château et avec ses deux euh, compagnons écrit l'énigme sacrée, qui est-ce qu'il va de nouveau utiliser comme documentaliste Toujours le même euh, Plantard de Sinclair. Donc Plantard s'est trouvé au tout début de, de cette histoire. Je pense, j'en suis pas absolument convaincu, mais je pense qu'il a eu dès le départ contact avec, euh, avec Noël Corbu et qu'il a induit cette affaire, cette histoire dans un sens qui, euh, qui lui convenait. Là, je pense qu'on a certainement affaire euh, au risque d'en décevoir quelques-uns, mais ça n'engage ça que moi et il est certain que chacun a, peut exprimer son opinion. Euh, et je ne rejette rien, mais c'est ce, ce que je pense, du moins c'est ce que mon intuition me, me dicte, c'est que euh, Plantard a été en bonne partie euh, l'inventeur du mythe, ce qui n'enlève rien du mythe de Reine le château ce qui n'enlève rien au fait qu'il y a quand même autour de cette histoire un incroyable mystère. Et elle est le moment que vous attendez tous, les théories de Monsieur Robin. Alors vous l'avez compris, Jean-Luc Robin n'est pas un personnage fantastique, il est sérieux, raisonné et très terre-à-terre. C'est quelqu'un qui est juste sur pièce, comme on dit. Donc euh, je vous laisse la suite de l'émission avec toutes sortes de théories. Mais vous allez voir, on ne part pas dans des trucs euh, complètement dingues. Ça reste très sérieux, c'est très factuel, c'est euh, documenté. Écoutez ça. On pas... Vous n'avez pas fini sur Narbonne. Alors revenons-y. <laughs> Narbonne, c'est... C'est la révélation pour Saunière, c'est la chance de sa vie. J'ai reconstitué l'épisode de cette façon là. On sait que dans certains milieux autorisés, et auprès de la famille de Hasbourg et dans la famille royale de France, il y a quelque chose à Rennes le château, il y a quelque chose qu'il faut retrouver. On a besoin de quelqu'un. Le marquis de Chef de Bien, qui était un, un proche du comte de Chambord, est au courant je pense que la comtesse de Chambord a dû lui dire vous qui êtes de la région euh, et vous qui êtes des nôtres euh, chef de bien tenez les cordons du poil euh, à l'enterrement de Chambord, c'était vraiment un proche donc chef de bien était, était un, un intime du comte de Chambord il était président des comités royalistes du Landoc-Roussillon et il me paraît logique que la comtesse euh, de Chambord étant au courant car elle le château se trouve quelque chose qui est important, qu'il est important de retrouver probablement des documents cherche un homme de confiance pour ce faire. Et parfois, le hasard fait bien les choses, puisque à l'époque où Chef de Bien est chargé de cette mission, c'est-à-dire trouver quelqu'un de confiance pour retrouver des documents à Rennes-le-Château, le frère de Béranger Saunière, curé de Rennes-le-Château, est le précepteur de ses enfants. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'un marché a dû s'établir. Euh, Alfred Saunière, frère de Béranger, a dû dire à Chef de Bien, mais l'homme de la situation, nous l'avons. Nous l'avons. J'ai le sentiment qu'on a deux Saunières, là, entre Alfred et Béranger. Oui. Est-ce Alfred est l'autre saunière Ah, vous, vous, faites, vous faites allusion aux fameuses photos. Où oui. On, oui, effectivement, on s'est souvent trompé. Il y a des, des portraits qui ont circulé pendant longtemps comme étant ceux de Béranger et il semblerait bien qu'il s'agissait de, euh, de son frère Alfred. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Euh, je... Non, non, pas du tout. Mais c'est vrai, bon, ça, fait, ça fait partie de ces, de ces petits mystères dans le, dans, le, dans le grand mystère et pendant des années... On a, on a fait circuler le portrait de béranger Saunière qui était en fait, en fait le portrait c'était une erreur au départ c'était le portrait de son frère, euh, son frère Alfred il y a bien il y a bien il y a bien de, il y a bien deux Saunières deux prêtres de Saunières Alfred Saunière et béranger Saunière le frère aîné et le et le suivant donc je pense qu'Alfred, effectivement a dit euh, on a l'homme de la situation la chance est, la chance est avec nous mon frère a 33 ans il est curé de Rennes-le-Château c'est une force de la nature il est des nôtres il est royaliste convaincu il a besoin d'argent, il veut désespérément restaurer son église, eh bien, on peut lui faire confiance, donner lui de l'argent pour restaurer cette église, ça va lui fournir un magnifique alibi, parce qu'à partir du moment où l'on restaure, on va ouvrir des brèches, on va creuser dans le sol, on va démolir des murs, ce qui permet peut-être de découvrir certains, certaines caches et certains indices. Et lorsque... <coughs> Excusez-moi. Et lorsque Béranger Saunière rentre à Rennes-le-Château avec son viatique de 3000 francs or, il sait qu'il y a quelque chose à trouver. Et à ce moment-là, à partir du moment où on vous a dit chercher, vous risquez de trouver quelque chose, vous ne regardez plus autour de vous de la même façon. Et effectivement, on le voit très bien dans son, dans son mode de vie euh, et, dans les, et dans les événements que l'on connaît, soit parce qu'il les a. Euh, mentionné dans son journal, soit parce que l'on a quand même des témoins dignes de foi, parce qu'une fois de plus, ça n'est pas une histoire si ancienne que ça. Les acteurs principaux, euh, les acteurs principaux de cette affaire, les, ceux qui ont côtoyé Béranger Saunière, ont des descendants qui sont leurs petits-enfants, qui sont des gens qui ont entre 50 et 60 ans à l'heure actuelle. Donc euh, vous vous souvenez, vous certainement et chacun d'entre nous, des histoires qu'ont pu, qu pu nous raconter nos grands-parents. Ces personnes qui, de ma génération, entre 50 et 60 ans, leurs grands-parents leur ont raconté ce qu'était la vie de Reine le Château et ce qu'était Béranger-Sonnière. Donc c'est quand même très frais, et il y a des choses auxquelles on peut on peut prêter foi. Donc lorsqu'il rentre dans son village, et bien, effectivement, il commence à regarder de façon différente, il va faire une première euh, découverte dans l'Église, grâce à son carillonneur Antoine euh, Captier, dont le petit-fils, à l'heure actuelle, j'en parlais tout à l'heure, mmh. possède l'héritage de l'abbé, qui porte mmh. le même prénom que son grand-père. Mmh. Et ce, ce carillonneur va découvrir dans un pilier de la chaire Quel un, âge a Captier Captier a une soixantaine d'années. L'actuel. Mmh. Oui, D'accord. Une soixantaine d'années. Oui. Mmh. Mais j'aurais une question à vous poser sur l'âge d'un comparse qui lui a aidé à soulever la dalle. On, on verra un peu plus tard. Euh, D'accord. Jean-Luc Couvin. <laughs> Oui, alors je vous en prie. Donc, Saunière va recevoir ce message que lui remet son carillonneur, il va le, il va le déchiffrer. On n'en connaît pas la teneur, mais on en connaît les, les résultats, puisque dès le lendemain, il va se rendre dans l'église avec effectivement deux maçons qu qui travaillaient avec lui la veille et dont il sait qu'il va avoir besoin. Sans aucune hésitation, il traverse l'église, il s'arrête devant le, le maître autel, il leur montre sur le sol une, une dalle qui n'a aucune inscription particulière, mais qui est simplement plus grande que les autres. Et il leur dit :« Il faut me soulever cette dalle. » C'est-à-dire que le message qu'il a déchiffré dans la nuit lui donnait cette indication, aucun doute. Les maçons s'exécutent, ils soulèvent la dalle et là, il y a un certain nombre de surprises qui les attendent. Mmh. La première surprise, c'est <coughs> que la dalle, en fait, à une époque reculée a été décelée et placée à l'envers, puisque la partie qui est cachée, qui a la face contre terre, est un magnifique bas-relief d'époque carolingienne, et on peut encore la voir à l'heure actuelle dans le musée de, euh, du domaine. Donc ça c'est la première surprise, quelqu'un à une époque a voulu dissimuler oh, à l'attention de curieux cette dalle. Qui okay. Ah, qui Ça, c'est sans aucun doute le prédécesseur de Béranger sonnière pendant la Révolution française, l'abbé Bigou. Il faudra qu'on en parle aussi de l'abbé mmh. Bigou. Oh oui, parce qu'il y en a des abbés. Hein. Il y en a. Et puis, il faudra aussi que je vous explique comment on savait dans, les, dans la famille royale, comment on savait qu'à rennes le château il y avait quelque chose de dissimulé. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Et, et ça apporte de l'eau à notre moulin et ça corrobore nos, notre, notre théorie. Donc. Deuxième surprise, c'est que sous cette dalle se trouve une, une sépulture. Il y a des gisants qui sont là, il y a des squelettes. Il s'agit probablement du tombeau des seigneurs de Rennes. Béranger, sans aucune hésitation, descend dans ce tombeau, se met à fourrager au milieu des ossements, devant les yeux des deux maçons. On a, on a deux témoins. Et puis, au bout de quelques instants, il remonte avec euh, entre les mains une marmite, une houle, comme on dit là-bas pleine à rabord de pièces d'or et de bijoux. Alors là, il est un petit peu embêté parce qu'il a ces deux témoins dont il a eu besoin, parce qu'il avait besoin de solides Gaillard pour soulever cette dalle qui est, qui est fort lourde. D'ailleurs, il hésite un peu à un moment, il se pose la question, est-ce qu'ils ne vont rien dire bah, Évidemment. Vont-ils rester muets Évidemment, il aurait, il aurait bien aimé pouvoir... Comme s'il savait déjà ce qu'il y avait dessous. Je pense qu'il il savait, il savait qu'il allait trouvé quelque chose. Il savait qu'il avait trouvé quoi mais il savait on lui avait dit de chercher, on lui avait dit qu'il trouverait quelque chose. Ce euh, n'est pas ça qui intéresse les, la, famille de, la famille royale et qui intéresse les habsbourg euh, Ce n'est pas les bijoux et, et l'or. Ils ont déjà, de ce côté-là, ils sont euh, largement nantis. Mais ça, ça tombe bien pour béranger parce Est-ce que la dalle est un peu plus grande que les autres dalles Ah oui, nettement plus grande, nettement plus grande. C'est est une dalle qui fait... Euh, qui doit faire 1,20 m de long sur 80 cm de large, alors que les autres doivent faire 70-70, à peu près. Oui. Donc elle était quand même, elle était quand même très, très différente. Et mais attendez, Je reviens, je fais l'enquête avec vous. Hein. Il n'y a aucune inscription sur cette dalle. Aucune. Donc cela veut dire, je reviens un petit peu quelques, quelques minutes avant, cela veut dire que Béranger-Saunière aurait eu vent de quelle façon Par quel moyen vous voyez ce que je veux dire Vous comprenez ce que je veux dire Il y avait quelque chose à trouver. C'est pour ça qu'à de multiples et de nombreuses reprises, on a dit de Béranger Sonnier qu'il était un initié. Je pense qu'on l'a initié. Oui. oui. Je pense qu'on l'a initié. On, on l'a mis, mis au parfum et on l'a mis dans le, dans le secret. Il n'est pas le seul. Hein Il n'est pas seul à le savoir. Il y a ce fameux abbé Boudet dont on parlait tout à l'heure. Hein L'abbé Boudet de Rennes les Bains qui a laissé pour la postérité un ouvrage des, des plus étonnants, qui s'appelle Les origines de la vraie langue celtique ou le cromleck de Rennes-les-Bains, édité à 500 exemplaires à, à compte d'auteurs. Boudet, qui était licencié en, en lettres, licencié d'anglais, qui était professeur d'anglais, développe dans cet ouvrage une théorie assez curieuse. Euh, sa théorie, c'est que l'anglais est la, à la base de toutes les langues modernes. Et son ouvrage est complètement hermétique. Est, cet ouvrage, d'ailleurs, est devenu la Bible des chercheurs de, des chercheurs de trésors qui, qui, qui interprètent euh, ce qui est marqué dedans de façon diverse et qui, grâce à cet ouvrage, vont aller, ont creusé dans tous les endroits de Rennes-le-Château. Mmh. De Rennes-le-Château, de Rennes-les-Bains, de, de, Rennes de, Rennes de, mmh. de, de, de la large région. Mmh. Pas uniquement, pas uniquement Rennes-le-Château. Donc effectivement, Saunière a été, a, a été, euh, a été initiée, a été mise mis au courant d'un d'un secret, et je pense qu'il a, il a reçu sinon une formation, du moins des, des informations. Des, plus loin, informations. Des informations. Pas des... Non, on est bien d'accord. Oui. Est-ce qu'il est calé en histoire Parce que très vite, en découvrant l'autre côté de la dalle, si je me souviens bien, les inscriptions sont... Carolingienne, plus ou moins Est-ce que... Il n'y a pas d'inscription. C'est un, un bas-relief qui représente. Un bas-relief, le... oui, mais d'origine carolingienne. D'origine carolingienne. Il oui. a certainement il a pu le dater, évidemment, parce que vous savez, ces curés de, ces curés de campagne à l'époque, d'abord, recevaient une, une solide formation. Leurs études duraient dix ans. Ils étaient euh, érudits. Euh, combien d'ouvrages historiques, archéologiques euh, et de découvertes ont été faites par ces, ces petits curés du 19e qui avaient du temps ils avaient du temps, ils avaient reçu une, je vous dis, une solide formation, et c'était généralement de, de bons historiens, puis ils se passionnaient pour leur, leur histoire locale. C'est le, le cas de Béranger. Les amis de Béranger, localement, qui c'est C'est le notaire du coin, c'est le pharmacien, et ces gens-là se piquaient. C'était vraiment l'esprit du, du 19e. Toute cette, toute cette bourgeoisie se piquait d'histoire, d'anthropologie, euh, euh, ils ramassaient les insectes, les minéraux. Euh, c'était des gens qui s'intéressaient. Et combien d'ouvrages de, de, ont été publiés dans les petites sociétés savantes provinciales par cette, euh, cette catégorie euh, professionnelle On est bien d'accord qu'on ne parle pas encore de sociétés secrètes. Hein. Non, 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 non. On en parlera <laughs> peut-être. Alors que découvre-t-il sous cette dalle Donc, sous cette dalle, d'après les témoins, la dalle elle-même, des cercueils et des ossements, et cette marmite pleine de pièces d'or. À partir de ce moment-là, il sait. C'est sa première découverte. Il sait que les informations qu'on lui a données sont exactes. Il sait qu'il est sur la piste de quelque chose. Et là, tout s'éclaire pour lui. Et il semblerait que quelqu'un... Alors il va, il va écarter les témoins. Il va leur demander de, de quitter l'Église. Il les envoie déjeuner. C'est l'heure du déjeuner. Il leur dit je vous rejoins. Ils partent déjeuner au presbytère. Marie a dû préparer un de ces fameux civets de lapin dont elle avait le secret. Et puis ils sont très étonnés de ne pas voir Béranger Saunière les, les rejoindre. Ils finissent leur repas, ils se rendent à l'église pour reprendre leur travail, et là la porte est fermée. Ils entendent du bruit derrière, Sonia est en train de fourrager là-dedans avec les outils. Il frappe à la porte, ils ne leur ouvrent même pas la porte, et à travers la porte fermée, il les congédie en leur disant C'est de la plus haute importance ce qu'on vient de découvrir, il faut euh, que j'en avise mon, mon évêque, et on verra par la suite euh, on verra la suite à donner. C'est Billard l'évêque à ce moment-là À l'époque c'est Billard. Monseigneur Billard. Dites-moi ces deux cavaliers là sur le même cheval. Ça paraît, alors ça c'est sur Loïs, sur la sur la dalle, le bas-relief, on a l'impression effectivement qu'il qu s'agit de deux cavaliers, mais la dalle est extrêmement usée. Vous savez, malheureusement, Béranger l'avait fait installer euh, devant le calvaire et les habitants de Rennes le château vont la piétiner pendant des années, ils vont marcher dessus. Elle est, elle est extrêmement usée. Quand on regarde de près, ça pourrait être plutôt que deux cavaliers, parce qu'évidemment, votre question n'est pas innocente, et je vous vois, je vous vois venir avec euh, vos grands éperons. Euh, vous pensez tout de suite, vous tout de suite au, saut, au saut des Templiers. Mais, <laughs> comment, mais comment une dalle d'époque carolingienne, on est au IXe siècle, pourrait représenter des Templiers qui n'apparaissent qu'au XIIe Donc déjà, on exact. A, donc là déjà, ce n'est pas possible. Mais euh, beaucoup sont partis sur cette théorie-là. C'est un signe Templier. Non, la dalle n'est pas Templière. Donc de quoi pourrait-il s'agir Soit il s'agit d'un cavalier qui tient un bouclier dans ses mains et l'usure de la pierre est telle qu'on ne, on ne se rend plus compte parce qu'en fin de compte, on voit une, comme, une, comme une pastille ronde. Ou, ou plus probablement, et ça c'est pas une des théories les plus idiotes, euh, il pourrait s'agir d'un cavalier qui tient dans ses bras un enfant, c'est-à-dire qui, qui sauve, qui sauve un enfant. Et là, on a pensé à un certain épisode de notre, de notre histoire. Béranger reconnaît ça. Je suis sûr qu'il est capable de le je suis sûr qu'il est capable de l'interpréter. Mais vous savez, quand il, découvre, quand il découvre cette dalle, ses préoccupations ne sont pas d'ordre purement historique. Vous pensez à l'enlèvement du fils de Dagobert Mais Évidemment. Hum. Évidemment. C'est à ça qu'on qu pourrait penser. C'est à ça qu'on pourrait penser. C'est une, une des théories du secret de Rennes Le Château. C'est que cette lignée euh, qui se serait éteinte avec l'assassinat du fils de Dagobert, il n'aurait en fait pas été assassiné, sauvé et euh, évacué et préservé et mis de côté euh, dans le comté du Razès où il aurait fait souche et où il aurait perpétué sa race ça c'est une des c'est une des théories qui jusqu'à ce que l'on prouve euh, qu'elle est fausse et eh bien est toujours aussi intéressante. toujours aussi intéressant un rapport avec Louis XVII je pense pas qu'on puisse aller jusque là je pense pas qu'on puisse aller jusque là mais bon certains l'ont fait certains l'ont fait euh, un écrivain comme Jacques Rivière, par exemple, s'est penché sur le sujet et rapproche l'histoire avec Louis XVII. C'est pas inintéressant non plus. Alors, vous savez, Rennes-le-Château a tellement... Inspiré. Inspiré, a tellement d'atomes crochus, avec tellement de, de, de mystères que tous les trésors perdus de France et de Navarre s'y sont donnés rendez-vous et tous les mystères de l'histoire s'y sont, sont également euh, donnés, donnés rendez-vous. C'est ce qui rend cet endroit absolument fabuleux. Justement, cette inscription, cet endroit est terrible. Et vous dites... Parce que là, on est à Ra, le latin des pâquerettes. Terribilis Vous pouvez re redonner le, la, la, lo la locution euh, latine. Terribilis es locus iste », Ça, c'est la phrase que Sonia fait graver sur le fronton de de l'Église, ben encore là, voilà. Alors là, là, on est sur le saudière, érudit et plaisantin. On, en a, on est en plein. C'est pas innocent s'il si a mis ça. La phrase en elle-même, lorsqu'on la lit, à un premier degré. Vous savez, moi, j'ai fait la visite de l'Église une fois avec un prêtre qui était venu nous célébrer une messe en, en occitan, qui était un théologien de, de haute pointure, mais qui ne connaissait pas l'histoire de Rennes-le-Château. S'en était jamais intéressé. Il était totale, totalement, euh, totalement euh, néophyte en la matière. Donc, j'en ai profité. J'ai fait la visite de l'Église avec lui. On a bien tout regardé, et à la fin, je lui ai posé la question. J'ai dit, mon père, est-ce que dans cette église, il y a quelque chose qui soit contraire au dogme Il me dit, absolument pas. Il me dit, c'est une catéchèse. Il la seule chose, c'est peut-être un, peu, peut un petit peu chargé, mais bon, votre curé, apparemment, il avait de gros moyens, son église était petite, et il en a rajouté. Point. Ce pour être veut dire... chargé, c'est chargé. Hein ah, pour être chargé, c'est chargé. Ça fait penser au métro, à l'heure de pointe. C'est vraiment, <laughs> vraiment. Moi, je manque d'air dans cette église. Je manque d'air. C'est un, un petit peu étouffant. Mais pour quelqu'un. Donc du métier entre guillemets hein. pour un théologien ou pour un profane mais qui a une formation religieuse euh, basique, cette église ne recèle rien de d'extraordinaire. Et cette phrase "terribilis est locus donc que l'on traduit par "ce lieu est, est terrible" mmh. est une phrase que Saunière, déjà a volontairement tronquée parce que la phrase complète c'est "ce lieu est terrible" et on va revenir sur le sens de terrible car c'est la maison de Dieu. Cette phrase, c'est la phrase qui aurait été prononcée par Jacob lorsqu'il est redescendu du ciel avec, en, en utilisant son, sa fameuse échelle, l'échelle de Jacob. Euh, et lorsqu'il est redescendu du ciel, émerveillé, il a dit, cet endroit est terrible car c'est la maison de Dieu. Terribilis en latin n'a pas le sens d'effrayant. C'est le sens plutôt de merveilleux. Ce qui est resté d'ailleurs dans le langage populaire, lorsque vous dites euh, oh, cette fille elle elle est terrible, c'est <laughs> pas du tout qu'on en a peur, bien au contraire, on aimerait pouvoir s'en rapprocher. Euh, J'ai passé une soirée terrible. C'est hein resté quand même dans ce, dans ce sens-là. Jean-Luc, Donc... puis-je me permettre de vous donner mon avis Oui. Moi, je traduirais euh, terribilis par vénérable. Oui. 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 Ça donne un sens. Euh... Complètement différent. Hein. Vénérable, c'est intéressant. Hein. Je vous vois avec des yeux très écarquillés. <laughs> non, mais j'adore le règne le château Vous comprenez pourquoi je vous ai invité Vénérable. Ça ouvre d'autres portes auxquelles il faut frapper. On en reparlera en dehors de l'émission. <laughs> Alors, je vous laisse continuer donc. Donc, voyez l'amusement de Béranger. Il vous met cette phrase qui est une phrase officielle quelque part. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne la mette pas. Ce lieu est un lieu si vous voulez, vénérable, merveilleux, extraordinaire, car c'est la maison de Dieu. Il la tronque. Il la tronque volontairement déjà pour, que nous, pour nous induire en erreur, pour que, comme un des mortels, et comme le font 99,5% des visiteurs de l'église de Rennes-le-Château, s'interrogent en se disant, mais pourquoi un curé sur la porte de son église a marqué que cet endroit était terrible Donc il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. Il savait très bien qu'il y avait la première lecture officielle et qu'il allait faire dériver les gens vers autre chose et les induire. Effectivement, je pense que peut-être quelque part, ce qu'il veut dire, il veut nous dire que le lieu le lieu est terrible, terrible d'une force extraordinaire. Donc voilà le genre d'amusement auquel il s'est livré. Et on en, a, on en a encore pas mal dans notre, dans notre besace. Alors, s'il vous plaît, comme je suis entièrement de votre côté, je n'inviterai pas un invité pour. Je n'inviterai pas un invité pour venir le contredire. Mais que n'a-t-on pas dit sur Rennes le-Château Centre cosmique, base d'Ovni, euh, l'endroit où reposent Jésus et Marie-Madeleine, et combien d'autres euh, stupidités Pe Peut-être y a-t-il quelques vérités, cependant. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf, vous savez. Les gens vous disent, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, S'il y a tout ce monde qui vient à Rennes-le-Château, si toutes ces histoires traînent, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Plus fort encore, euh, hein. si jamais la Terre explose, un seul endroit ne bougera pas, c'est Rennes-le-Château. Bien sûr. On est d'accord là euh, aussi Pourquoi vous croyez que j'y ai posé mon encre <laughs> Non, restons sérieux. Euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un endroit qui n'est pas euh, anodin, c'est un endroit où a pris naissance un mystère assez extraordinaire, c'est un endroit mythique, c'est un endroit où un mythe se crée et s'enfle de jour en jour, et moi ça c'est ce qui me passionne, c'est de voir comment ce, ce mythe... Là, tous les deux, on est en train de participer à la création de ce mythe, en ce moment même, sans arrêt des articles, des émissions de télévision, des bouquins apparaissent, ce mythe gonfle, gonfle, gonfle comme une veste de loup, c'est est est, est quelque chose qu'on ne pourra pas arrêter. Euh, si demain, si demain, imaginez que demain quelqu'un nous apporte un ouvrage en disant voilà exactement ce qui s'est passé. Il n'y a rien de sensationnel. Je vous l'explique, je vous prouve tout par A plus B. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce que c'est un endroit qui est fait pour rêver. L'homme a besoin de rêver. Reine le Château est une de ces. Pour moi, c'est une soupape de sécurité de l'inconscient collectif. C'est comme ça que je l'appelle. Ces endroits sont aussi nécessaires qu'à la finance sont nécessaires les paradis fiscaux. Et c'est un endroit qu'il faut préserver pour ça. Alors préserver un rêve, préserver un mythe, c'est extrêmement difficile parce que c'est très fragile. Mais là maintenant le mythe il est parti. C'est un spire mort qui est dans une descente, hein, c'est un tonnes qui n'a plus de frein. Ce n'est pas la peine de se mettre en travers de la route, vous allez vous faire laminer. Le mythe il est parti. On ne peut ni le contrôler, ni le diriger, ni l'arrêter. C'est parti. C'est comme quand vous lâchez une montgolfière, elle s'en va et le vent l'emporte où il veut. Mais c'est exactement ce qui se passe avec le château. Sauf s'il y a un capitaine qui... à bord. Hein. Je crains qu'il n'y en ait pas là. Mm. Je crains qu'il n'y en ait pas. Je crois et je crains et je crois qu'il n'y a, de... a pas de téléguidage non plus. Ça part, ça part dans tous les sens. C'est une... une boule d'acier dans un flipper. Ça... Mm. ça se cogne à tous les murs. Ça part dans tous les sens. C'est une, histoire... une histoire complètement folle et c'est qui... ce qui en fait son charme. Et quand je parlais de capitaine, je pensais à Jules Verne, à Nemo, voyage en ballon. Ah oui, et Jules Verne, Jules Verne Rennes-le-Château, il, il y a des rapprochements à faire. Il n'est pas, pas impossible que Jules Verne ait connu le coin de Rennes-le-Château. Il y a un ouvrage de Jules Verne qui est assez peu connu. Euh, Quelqu'un comme Serge Lamy, qui fait autorité en la matière... En parler, Michel Lamy. Michel, pardon, Michel Lamy en parlerait beaucoup mieux que, que moi. Nous en avions parlé il y a voilà. quelques mois. Mais il y a un ouvrage qui s'appelle de, de Jules Verne qui s'appelle « Clovis d'Ardentor ». Euh, dans lequel il y a des, des références à Rennes-le-Château qui sont très nettes. L'action est supposée se passer dans les Aurès et lorsque l'on lit la description du paysage, il faut être aveugle pour ne pas reconnaître le paysage qui entoure Rennes-le-Château. Il euh, y a un personnage qui s'appelle le capitaine Bugarache. Et le Bugarache, c'est cette montagne mythique qui est le sommet le loin. plus élevé des, des corbières, où à l'heure actuelle, à chaque saucisse, euh, grimpe grimpent des, des personnes qui veulent soit apercevoir des ovnis, soit percevoir certaines vibrations. Enfin, semble-t-il que ce, ce serait le mont Sinaï euh, du sud de la France. C'est un endroit, bon, c'est vrai que c'est un rocher extraordinaire, c'est un, une très très belle, très belle montagne, c'est encore un lieu où souffle l'esprit. Bugarache, donc, on retrouve dans Jules Verne. Alors, il y a cette découverte, la dalle, et euh, est-ce que c'est à ce moment-là que Béranger Saunière a la conviction, lui qui a fait des études historiques, qui a été initié, hein, ou, ou, on ne dirait pas le contraire, est-ce que c'est à ce moment-là, parce que vous avez parlé d'ossements, de squelettes, mmh. est-ce que c'est à ce moment-là que... Que Béranger Saunière sait qu'il a trouvé quelque chose. Ah oui, c'est clair, c'est net, parce qu'à partir de ce moment-là, ses si recherches s'activent. À partir de ce moment-là, il s'entoure du secret. La seule personne qui va l'accompagner dans ses recherches, en qui il a entièrement confiance, c'est Marie Desnarnaux. Et on a l'impression, on a l'impression, si vous voulez, que euh, quelqu'un s'est ingénié à dissimuler quelque chose et a établi une véritable chasse au trésor sur laquelle Sonia va se lancer. C'est-à-dire que chaque découverte semble le propulser vers une autre. Donc tout n'a pas été caché au même endroit. Et ça, c'est un vieux réflexe paysan. Hein. Quand à l'époque, il n'y avait pas de banque, on cachait euh, sous le matelas, euh, au fond du puits, dans la cheminée. On disséminait un petit peu partout dans la maison pour que euh, quelqu'un, pour limiter le risque de découverte fortuite, si quelqu'un tombait sur le magot, eh bien, il ne tombait que sur une partie du magot. C'était exactement ce qui s'est passé. Il les facétieux, Saunière. Il dit aux deux maçons, en parlant des pièces d'or, Non, non, ce sont des médailles de Lourdes. Oui, mais vous pensez bien l'ont pas cru. Mais c'est vrai qu'il leur a dit ça. c'est de a dit ça. Il était embarrassé et il a essayé de les... Là, ça n'a des, c'est des, des médailles de Lourdes. lourdes. Euh, bon, médailles de Lourdes à l'époque où... no, ça no, là. Non, 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 ça ça, ça ça colle pas. Puis, Vous savez, les, les, les deux savez les, question, ils ne bon, ils parlent pas français, ils, ils ni parlent que patois. Euh, ils ne savent ni lire ni écrire. Mais ni Louis d'Or, ils savent ce que savent Ils savent ont pas vu souvent, mais ont savent les reconnaître quand même. Ils ont très, très bien vu de quoi il s'agissait. Et d'ailleurs, ils vont redescendre à Quisa, puisque euh, ils vont raconter l'épisode au bistrot du coin. Oui, oh, hein, il, il veut leur... tout garder pour lui, le ritou. Hein. Oui, oui, oui. Il, il leur a rien donné. Ouais. Il leur a rien donné. Mais il n'était pas dispendieux, la Bissonnière. Il était, dispendu, la, la ça. Il était très, proche de... très proche de ses sous. Et ils repartent dépités. Et en plus, le, le marché va leur échapper. Le travail va leur. Et bien, vous voyez, tiens, par exemple, là, ça, c'est exactement le cas d'une de ces intuitions que j'ai eues. Quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai fait un. J'ai raconté cet épisode sous forme de dialogue. Et les deux gars. Les deux gars repartent dépité et il y en a un qui dit euh, dis donc avec ces histoires de médailles il nous prend, euh, il nous prend pour des rigolos euh, t'as bien vu de quoi il s'agissait et l'autre qui fait oui mais alors euh, et en plus il nous a même pas donné euh, il nous même pas donné une pièce hein. qu'est-ce mmh. qu'il épingle le ritou mmh. alors le ritou en patois là-bas c'est le curé c'est oui. assez péjoratif hein, oui, le ritou oui. c'est pas très aimable et et puis il y en a un autre qui est l'autre rétorque et puis tu vas voir tu vas voir que maintenant qu'il a trouvé de l'argent, il va aller chercher un, un, une entreprise plus loin d'ici, à Limoux ou ailleurs, et que le travail va nous échapper. Bon, j'ai écrit ça comme ça, sous l'impulsion, en me disant Tiens, ils auraient pu, ils auraient pu se dire ça. Eh bien, effectivement, Antoine Capier, quelques semaines plus tard, me dit Mais tu sais que c'est exactement ce qui s'est passé. À la mm -hmm. suite de ça, le travail leur a échappé, et Béranger Saunière a confié le boulot à une entreprise de Limoux. Et ils en sont bon. tous espantés. <laughs> espantés, oui. C'est de l'Occident. <laughs> c'est de l'Occident, ça veut dire. Euh... Excès. Étonné, ébahi, euh, mm. admiratif, euh, espanté. Ça veut pas dire. Euh, ça veut pas dire. Effrayé. Ça fait penser à l'espagnol espantar qui veut dire effrayé, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Ils n'en reviennent, peut... reviennent pas, ils ne le reconnaissent pas. Non. Oh. Et lui, que fait-il pendant ce temps-là Alors pendant ce temps-là, lui, sans, donc, il va, va continuer ses fouilles dans l'église. Oui, mais attendez, continuons. Au lieu d'être. Euh, on va dîner. Mais là-bas, dans, dans, dans cette région, dîner, c'est déjeuner. C'est déjeuner. Oui. Lui qui a un solide appétit ne mange rien. Parce que l'appétit de l'or est plus important, je mmh, pense. Mmh. Pensez bien, imaginez vous êtes tombé sur... Euh... Puis vous savez, moi je suis, je suis persuadé que cet endroit-là, euh, ce tombeau, cachait caché l'accès à autre chose. Et c'est ça que béranger saunière a, a dégagé. La marmite pleine de pièces d'or, ça va lui être utile. Mais derrière, euh, derrière les squelettes qui sont enterrés à cet endroit-là, je ne serais pas étonné qu'il soit tombé sur un escalier qui menait à la crypte qui se trouve sous l'église. Car on en a maintenant la conviction, on était assez nombreux à en avoir l'intuition, et on a maintenant la conviction il y a, sous cette église de Rennes-le-Château, sous cette église Marie-Madeleine, il y a une crypte qui pourrait, être, qui pourrait être une des plus anciennes de France, qui pourrait remonter au 5 siècle. Euh, des études ont été faites par une équipe d'américains, des, des sondages grâce à des sonars extrêmement perfectionnés, qui, donc il n'a pas été utile de, de creuser, ont permis de, de dégager la forme de cette crypte qui est une, qui est une pièce voûtée et dans laquelle, se des, dans laquelle se trouvent des tombeaux. Alors ça, il faudra quand même un jour, malgré tout, qu'on y aille. Euh, J'espère que les autorités... Se montreront un jour un peu moins frileuses quand il s'agit de rennes le château et qu'on pourra avoir les autorisations. L'église est classée, on pourra avoir les autorisations pour aller fouiller dans cette crypte qui peut-être recèle euh, des réponses à des pages de notre histoire qui sont encore en, qui sont encore en blanc. Mais je pense que notre ami Béranger Saunière lui est descendu. Il est descendu dans cette crypte et il est possible qu'il ait ouvert ses tombeaux et qu'il en ait remonté d'autres bijoux ou d'autres objets. Puisque l'on on sait qu'à l'époque il a fait cadeau à des, à des amis de, de bijoux de factures extrêmement anciennes, qui étaient probablement des bijoux d'origine visigothique. Quel est le rôle de l'abbé Bigou On oublie souvent, Bigou. L'abbé Bigou. Mais l'abbé Bigou, si vous voulez, c'est la clé de l'histoire, l'abbé Bigou. L'abbé Bigou, c'était le curé de Rennes-le-Château. Euh, depuis euh, 25 ans déjà, il était curé dans le château lorsque la Révolution française éclate. Il va s'exiler en 1793, c'est l'année où la République exige des prêtres qu'ils qu prêtent serment. Bigou, qui est un curé royaliste, lui aussi, il y a cette lignée de prêtres royalistes à Rennes-le-Château, c'est amusant. Euh, Bigou va refuser de prêter serment, comme la plupart, comme la majorité des, des ecclésiastiques de l'époque. C'est donc ce qu'on appelait un prêtre réfractaire, et à partir de ce moment-là, sa vie est en danger. Beaucoup ont été décapités pour cette raison, pour avoir refusé de prêter serment. Donc il décide de s'exiler et il va rejoindre son évêque et un certain nombre de prêtres qui ont déjà quitté la, la France, de l'autre côté de la frontière, à Sabadell, à côté de Barcelone. Sabadell, c'était à l'époque un gros bourg qui était à quelques kilomètres de, de Barcelone. Maintenant, ça fait partie de, de la banlieue barcelonaise. Là, il y a un monastère où l'abbé Bigou va, va se réfugier. Donc il part, il part à pied ou avec une mule pour porter ses bagages. Il s'arrête au Bézu. Euh, qui est un des villages les plus proches de Rennes-le-Château, Bézu qui est un site où il y aurait des, des vestiges euh, templiers, il s'arrête au Bézu, il emprunte la vieille route euh, gauloise, la vieille route, la vieille voie romaine qui menait directement en, en Espagne, et il part sur les chemins de l'exil. Or, Bigou avait cette euh, particularité, alors là on est en 1793, 12 ans auparavant, Bigou qui était aussi le chapelain du, du château de Rennes, reçoit les dernières volontés de la marquise d'Opoule de Blanchefort. Et avant de mourir, la marquise d'Opoule remet à l'abbé Bigou. Elle était en froid avec ses, ses filles, ses deux héritières. Ses filles lui avaient intenté un procès pour dilapidation du patrimoine familial. Donc elle ne veut rien leur laisser. Et elle laisse la fortune de la famille à l'abbé Bigou. Mais elle lui laisse aussi, et ça c'est certainement le plus important et le plus intéressant, elle lui laisse les archives de la famille. Donc ce curé qui va se trouver obligé de s'exiler 12 ans plus tard pendant la Révolution, se trouve à la tête d'une petite fortune et surtout à la tête de documents de la plus haute importance. Qu'est-ce qu'il va faire Mettez-vous à sa place. Vous êtes en pleine Révolution. Vous avez 65 ans et vous êtes en mauvaise santé. Vous partez à la cloche de bois. Vous n'êtes pas sûr de revenir et on vous a confié un énorme secret. Vous ne pouvez faire confiance en personne parce que la délation marche à fond et dans une, on est dans une période trouble. Vous n'avez pas de successeur parce qu'on euh, ne se pressait pas à la porte des, des petits séminaires à l'époque parce que c'était quand même un petit peu dangereux. Donc lorsqu'il part, il abandonne sa paroisse, il abandonne ses biens d'ailleurs qui vont être saisis. Il, avait, il était assez riche, mais il avait une maison, il avait des terres sur le château, ses biens vont être saisis, vont être confiés à des administrateurs qui très rapidement vont se les, vont se les approprier. Donc il ne va pas emporter avec lui ce, ce dépôt. Il va le dissimuler, il va le dissimuler, et comme il sait, comme il craint, c'était prémonitoire, il craint de ne pas revenir un jour parce qu'il peut mourir, être attaqué sur les routes, ou simplement mourir de maladie parce qu'il est, est âgé et en mauvaise santé, il va laisser derrière lui des messages, il va laisser des signes. Pour qu'un homme lettré, un érudit, c'est-à-dire un prêtre, son successeur un jour, le jour où euh, la Providence voudra bien que les choses se calment et qu'on puisse remettre un prêtre à la tête de cette église, pour que son successeur puisse s'acquitter de cette mission qui lui a été confiée au cas où lui ne reviendrait pas de son exil. Et effectivement, Bigou va mourir trois ans plus tard en exil à Sabadel. Il est enterré là-bas à Sabadel. Il n'est jamais, jamais revenu à Rennes-le-Château. Et son dépôt est resté dissimulé là-bas. Et c'est Béranger Saunière qui, un siècle plus tard, va tomber dessus. Mais alors de quelle façon Pourquoi Évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que dans les milieux de, du marquis de Chef de Bien, proche du comte de Chambord, dont la femme est une hasbourg, on sait qu'il y a quelque chose à rennes le château Mais comment le savait-il Ça, c'est une question intéressante. Comment savait-il qu'à Reine-le-Château, il y avait quelque chose qui était des documents, des archives, <coughs> qui étaient de la plus haute importance Je me suis posé la question et j'ai découvert que... le... J'ai découvert, d'autres le savaient aussi, je ne veux pas m'en attribuer la découverte. Mais je pense que je suis peut-être un des premiers à avoir remonté les choses et à les avoir remises en place de façon logique, ce qui explique beaucoup de, beaucoup de, de choses autour des événements. Le précepteur du comte de Chambord, lorsqu'il avait le titre de duc de Bordeaux, lorsqu'il avait 13 ans, son précepteur n'était autre qu'un dopoule de Blanchefort. Et ça, ça ne s'invente pas. On peut le vérifier. Le duc de Bazas, qui s'occupait de, de l'éducation du futur Henri V, lui avait... L'avait remis entre les mains d'un dénommé au poules de Blanchefort. C'était un membre de cette famille. Le duc de, Chamb... le duc de Bordeaux, donc le futur comte de Chambord et futur prétendant au trône de France, avait 13 ans à l'époque. Et je pense que son précepteur lui a probablement raconté ce que je viens de vous raconter. Il lui a raconté ce qui s'était passé pendant la Révolution. Il lui parlait d'événements qui n'avaient qu'une soixantaine d'années ou une cinquantaine d'années. C'était tout frais. Dans mon village, Ma tante était dépositaire d'archives qu'on s'est transmises de génération en génération. Ces archives contiennent des choses extrêmement importantes, des choses qui ne doivent pas, qui présentent soit un danger pour la dynastie, soit un danger pour l'Église, mais qui ne doivent pas tomber entre toutes les mains. Or, ma tante a remis ces archives à l'abbé, au curé de la paroisse, à son sacristain qui s'appelait Bigou. Ce curé est parti en exil en Espagne, il y est mort et il y a fort de fortes chances pour que ces documents soient dissimulés à Reine le château et y soit toujours. Donc ce jeune enfant, futur prétendant trône de France, il a 13 ans, il est tout à fait en âge de comprendre et de se rappeler ça, C'est et va se souvenir toute sa vie, qu'il y a quelque chose qu'il faut retrouver à Rennes-le-Château. Il s'en ouvre à son épouse, qui est une Hasbourg, et après sa mort, la comtesse de Chambord, sa veuve, veut retrouver ses papiers. Et c'est comme ça, je pense, que dans la famille de France et dans la famille de Hasbourg, on a su... Qu'il y avait à Rennes-le-Château quelque chose de la plus haute importance. Vous savez que Béranger saunière était en rapport épistolaire régulier avec une banque de Budapest. Mmh. J'ai retrouvé dans ses papiers une pile d'enveloppes préimprimées. L'argent la... partait euh... Partait ou... ou arrivait de là-bas. Mmh. Il avait cette petite pile d'enveloppes préimprimées à l'adresse de la banque frise d'Orge à Budapest. C'est quand même étonnant. Or, Budapest, c'était la capitale des Habsbourg. On retombe là-dessus. Et on sait que lorsqu'il avait besoin d'argent, Béranger Saunière, qu'est-ce qu'il faisait Il n'allait pas creuser dans le fond de son jardin, c'est pas vrai. Il n'allait pas creuser dans la nature. Il avait déjà cherché et trouvé. Il prenait le train. Il partait pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, il revenait avec les liquidités. C'est-à-dire que son argent, il l'avait mis à l'abri ailleurs. Ce qui est tout à fait logique. Il avait tellement peur que la République lui fauche. Et en fait, c'est l'évêché qui va essayer de lui prendre. Ça, c'est l'ironie du sort. Mais il était, il, son argent n'était pas sûr en France. Moi, je pense que ce qu'il a trouvé, il l'a monnayé. Il l'a mis à l'abri à l'étranger. Et en plus, c'est de l'étranger que ces fonds venaient. Et d'ailleurs, à partir de quel moment À partir de quel moment il va manquer d'argent Il manque d'argent à partir de la déclaration de guerre. Hein, mmh. 1914. Parce que si ce que j'avance est exact. Ces fonds sont en sécurité dans les lignes ennemies à Budapest. Il fallait 48 heures pour se rendre à Budapest par le train à l'époque. J'ai vérifié sur les horaires. C'était vite fait. Il partait une semaine, deux jours de voyage aller, deux jours sur place ou trois jours sur place, deux jours pour revenir. Et si je reprends le, le tableau récapitulatif de la comptabilité, parce que euh, l'abbé Saunière tient un, comment on pourrait dire, un, un journal comptable. C'est à partir de 1911. Qu'on voit les entrées, mais qu'on ne voit plus les sorties. Autrement dit, les entrées, mais plus de dépenses. Plus de dépenses, oui. Alors que, pendant, d'avril 1897 jusqu'à 1910, il tient régulièrement ses comptes. Mmh. Et comme par hasard, 1911, il n'y a plus rien jusqu'à jusqu 1915. Plus rien. Les entrées, oui, mais pas de dépenses. Mais pas de dépenses. Alors, est-ce que ces comptes sont de la mansonnière Ça, y n'y a aucun doute là-dessus on connaît trop bien son écriture. Alors là, il y a toutes sortes de théories qui s'affrontent. Est-ce euh, que ces comptes ont été, été d'une une double comptabilité, pratique euh, courante, mmh. Hein, hein, mmh. destinée à le blanchir en cas de contrôle fiscal, fiscal Contrôle <laughs> ça existe fiscal déjà oh, ça existe, ça, il, il risquait un contrôle fiscal de la part de son évêque. Pas de la part de l'État, il n'y avait pas cette inquisition fiscale à laquelle on est, on est, on est soumis à l'heure actuelle. Mais de la part de son évêque, oui, il était normal que son évêque s'émeuve de son train de vie et lui demande douves d'éléphants. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Euh... Le premier évêque de Saunière, celui qui est en place, Mgr Billard, lorsqu'il est nommé à Rennes-le-Château, et de son bord il est également royaliste nous, nous écartons pas du côté politique qui reste, qui reste toujours très important dans, les, dans, la, dans la vie de saunière et dans, dans ses agissements il est remplacé monseigneur billard par monseigneur de beauséjour et monseigneur de beauséjour malgré sa particule est un évêque progressiste qui suit euh, à l'époque les directives du pape qui demande à ce que l'on se rapproche des autorités civiles et de la république et donc il a plutôt la fibre euh, républicaine et il voit d'un assez mauvais œil ce, ce curé de Rennes-le-Château, qui vit comme un prince, qui affiche des opinions réactionnaires outrées, et il va lui demander des comptes. Monseigneur de Beau-Séjour va demander à Saunière d'où vient l'argent. Alors là, il y, a des, il y a toute une joue, tout un échange de, de, de courriers assez, assez extraordinaire et truculent. Saunière se... Dégage en touche régulièrement, cherche à gagner du temps, euh, et puis il va finir par être traduit devant le tribunal de l'officialité, et il sera condamné. 1910. 1910. Comme par hasard, vous avez remarqué, ouais. c'est à l'époque où les comptes où il y avait entrées et dépenses jusqu'au mois de juin 1910. À partir de juillet 1910, il n'y a plus les dépenses. Comme par hasard. <laughs> Comme par hasard. Vous savez de quoi il était accusé? Sonia, par son évêque. Il a été accusé de trafic de messe. De simonie, c'est-à-dire de, de trafic de biens d'église. Il a Rennes-le-Château, puis il y a une autre ville qui s'appelle Antuniac, qu il me semble. Il est célèbre de messes. Oui, il a été parce qu'il a été remplaçant à Antuniac pendant un certain temps. Il était curé en titre de Rennes-le-Château et il était remplaçant à, à Antuniac. On a d'ailleurs euh, tous, tous les sermons qu'il a prononcés à Antuniac. Ça fait l'objet d'une publication d'ailleurs. Ça rapporte un peu d'argent de dire la messe Non, les messes qu'il célébrait dans le village ne lui rapportaient rien. Euh, ce qu'il lui rapportait, c'était les messes qu'il vendait. Ah oui. vous voyez, un, prêtre, un prêtre a parfaitement le droit de percevoir de l'argent pour célébrer une messe pour une intention précise. C'est-à-dire que le jour de la mort, l'anniversaire d'un parent, d'un être cher, vous allez vous approcher d'un prêtre et lui demander de célébrer une messe pour le repos de l'âme de, de cette personne. Il bon, y a un tarif. À l'époque de Béranger-Saunière, c'était un franc, puis c'est passé à un franc cinquante. À l'heure actuelle, ça se peut toujours se pratiquer et ça coûte une quinzaine d'euros. C'est tout à fait euh, admis. Seulement, l'Église, pour euh, éviter la, la tentation euh, aux prêtres de se livrer à un véritable trafic, leur a fait l'obligation de ne célébrer que trois messes payées par jour. Au-delà, s'ils en reçoivent davantage, s'ils ont beaucoup de succès, ils doivent les reverser à l'évêché qui lui va les redistribuer auprès d'autres prêtres qui ont moins de, moins de chance et ça leur permettait d'arrondir un petit peu leur fin de mois. Or, si l'on en croit les comptes de Béranger-Saunière, encore faut-il qu'ils soient exacts et qu'ils n'aient pas été faits pour la postérité, pour dissimuler d'autres origines. Si l'on en croit ces comptes que j'ai eu entre les mains, alors qu'il dit à son évêque, lorsque son évêque lui dit Remettez-moi vos comptes il répond à son évêque avec euh, effronterie Je n'en ai pas et pourquoi en aurais-je Puisque les gens de Rennes-le-Château sont bien trop pauvres pour m'acheter des messes. Mais l'argent des messes venait d'ailleurs. Il avait fait. Il avait monté un système de vente par correspondance. Il passait des petites annonces dans les bulletins paroissiaux de Français de Navarre. Et il recevait de l'argent c'est ces fameux mandats qui lui arrivaient par la poste, ces mandats qu'allait chercher l'instituteur radical socialiste, c'était et lui remonter à Rennes-le-Château, c'était l'argent, c'était l'argent des messes. Mais ranger sonir l'inventeur de la VPC. Mais tout à fait. Oui. Mais tout à fait, c'est un précurseur, c'est un précurseur, c'est extraordinaire. Alors on peut aussi se demander si, si ce système vraiment a été mis en place et ça effectivement on a retrouvé des petites des petites annonces qui le passaient. Euh, pourquoi ça a aussi bien marché? Saunière, ce n'était pas le Saint-Curé d'Ars, il n'était pas connu, il n'avait pas fait de miracles, il c'était un... un curé de paroisse. Et tout d'un coup, il reçoit des messes beaucoup de communautés religieuses et de particuliers, de, de, de familles notables, bourgeoises, aristocratiques, mais d'un petit peu partout en France et même des colonies. Alors euh, oui, je me suis posé la question, je pourquoi, pourquoi, comment ça a pu marcher. Et puis je me suis dit, bah, finalement, l'explication est peut-être la suivante, c'est que dans ces bonnes familles en vue, il euh, y a toujours un, un squelette dans le, mmh. dans le placard, mmh. un, un tonton qui s'est mal tenu, ou qui courait les petites filles, ou un autre qui avait des mœurs, euh, etc. Euh, et on veut quand même, euh, et il faut surtout pour cela, prier pour le repos de leur âme parce qu'ils sont peut-être en train de, de rôtir en enfer ou de patienter au purgatoire. Et on n'ose pas approcher son curé, euh, parce qu'on a une position sociale. Alors le curé de sa paroisse que l'on reçoit le dimanche pour partager les asperges vertes et le gigot on n'a pas envie de le mettre dans ce genre de confidence. Tandis qu'un curé est au loin anonyme, et c'est ça le secret de la vente par correspondance, vous recevrez soupli discret, c'est exactement ça. Alors on envoyait les messes à ce curé qui était disposé à vous les célébrer là-bas, mais on n'était pas sur place pour vérifier s'il les disait. Or j'ai compté dans les comptes de Béranger Sonnière, ces fameux comptes qu'il prétendait ne pas, ne pas tenir et ne pas avoir, et que... Qu'on avait, qui sont parfaitement bien tenues, si tant est qu'il refait la réalité, parce que ça, on peut toujours, connaissant la duplicité du personnage, on peut toujours en, en douter. Et une fois de plus, c'est une, une des théories, et elle n'est pas, pas idiote non plus, c'est qu'il aurait peut-être tenu ses comptes pour dissimuler d'autres origines. Mmh. Et il a préféré se faire accuser de trafic de messes. Euh, si si l'on compte le nombre de messes qu'il a, d'intentions de messes qu'il a reçues, on arrive à 110 000 messes. Or, s'il s'était tenu à l'obligation qui était la sienne de n'en célébrer que trois par jour, euh, il aurait fini de les célébrer en 1999. Mmh. Il est mort en 1917. Mmh. Donc s'il a effectivement reçu cet argent, il a effectivement aussi fait du trafic de messe. Mais voyez, certains ont voulu euh, réduire l'histoire de Rennes-le-Château à un pur et simple trafic de messe. cest à circuler, il n'y a rien à voir. Berger-Saunière, c'était un petit escroc qui s'est livré à un trafic de messe point barre. La, la vérité, elle est rarement monolithique. Certains vont vous dire Bon, allez, Sonnière, c'est du trafic de messe, terminé. D'autres vont vous dire Il a découvert un trésor. Alors là, on part sur tous les trésors qu'on peut, qu peut imaginer. Et puis, troisième volet euh, D'autres vont vous dire Il a découvert un secret, il a découvert des documents, et il a fait chanter le Vatican. Bon. Alors, déjà, ça, faire chanter le Vatican, permettez-moi d'avoir un petit rictus, euh, ça, me fait ça me fait doucement rire. Parce qu'un petit curé de campagne se permet de faire chanter le Vatican. Ça me paraît difficile. Ça me paraît... Je pense qu'il aurait euh, il serait mort, comme disait Jacques Brel, d'une glissade en allant, au, en allant au CEP et on n'en aurait plus entendu parler, non. Mais qu'il ait découvert quelque chose, oui, mais sans avoir besoin de faire chanter. On l'a payé pour trouver quelque chose. Et comme je vous le disais il y a l'instant, la vérité étant rarement monolithique, en fait, il me semble que la vérité qui concerne Béranger sonnière sur l'origine de ses fonds, hein, ça ne nous éclaire pas pour autant sur tout ce qu'il a pu découvrir, mais sur l'origine de ses fonds, elle a trois volets. Il a trouvé un trésor matériel caché pendant la Révolution française par l'abbé Bigot, curé de la paroisse, exilé et mort en Espagne. Il a trouvé des documents, et ça c'est le volet pour moi le plus intéressant parce que le mystère reste entier quant à la teneur de ces documents. Et il a aussi fait du trafic de messe et d'autres petits trafics à droite à gauche, un petit peu de commerce d'antiquités, de vin, d'alcool, de spiritueux, etc. Et, et, et les billets de loterie. Il a fait feu de tout bois. Arriviste. Oui, arriviste, appétit énorme, euh, un peu mégalo. Quand Parce même. que dans les dépenses euh, qu'il entreprend, vous connaissez l'histoire du buste euh, au départ qui devait être en, en terre cuite et qui finit en marbre de Carrare. Exact, hein exact. Il a, et ce buste existait encore. Euh, il existait encore après guerre puisque Claire Corbu. Euh, donc, dont le papa Noël Corbu avait racheté, racheté le, domaine le domaine à Marie oui. Delarno et qui a partagé les dernières années de, de Marie dans ce domaine, Claire Corbu m'a raconté qu'un jour, en rentrant dans la salle à manger, euh, euh, petite fille, un peu curieuse, elle ouvre la porte d'un placard, et je vois très bien de quel placard il s'agit, c'est tout de suite à gauche en entrant. Et dans ce placard, il y avait ce fameux buste que Marie Desnarneaux, un peu facétieuse, avait recouvert d'une chasuble. C'est-à-dire qu'on qu'elle a eu l'impression tout d'un coup qu'il le, que le curé était dans ce placard, elle oh. l'a refermé et, et, effrayée. Où l'on parle déjà de la samaritaine et des dépenses somptueuses de Béranger-Soigner pour Marie. Exact, exact. Il lui faisait, alors là, on a les factures, il n'y a aucun doute. Hein. Il faisait venir de, de Paris des toilettes. Euh, des objets, des bijoux, des, des parfums. Euh, il a... Marie, Marie, on le voit bien d'ailleurs sur les photos, elle était jeune, elle était euh, à l'époque euh, de gloire, elle était euh, habillée comme une, euh, comme une dame. Je pensais que ça a dû en faire des jalousies quand même, dans le, des papotages dans le, dans le village, la petite Marie qui, et le curé qui recevait euh, ces belles dames qui arrivaient en calèche, euh, en cridoline et qui descendaient dans le... On a des témoignages de... Dans mon livre, je retrace le, le témoignage de, de Blandelmas, qui était maire de, de Rennes-le-Château, euh, le témoignage de son père. Effectivement, on voit, il raconte comment les... Les belles dames et les beaux messieurs arrivaient, euh, mais personne n'osait rien dire non plus. Le, le, le curé avait, euh, dans un village à l'époque, le curé avait une, une autorité, une aura, euh, et on, on ne s'y attaquait pas. Donc ces gens simples du village étaient, étaient émerveillés, espantés comme ils disent, mmh. mais ne, ne posaient pas de questions. Ils en parlaient un peu entre eux, mais c'est tout, ça s'arrêtait. Là, C'était pas leur affaire, ça ne nous regarde pas, ils disaient. Ça, nous regarde pas. ça ne nous regarde pas. Hein, hein. Mais on en parle depuis... Parce que ça a failli tomber aux oubliettes, Reine Le Château. Reine Le Château serait tombé aux oubliettes sans le sans la présence dans le domaine de, de Noël Corbu. Noël, Cor... Noël Corbu est... est celui qui a qui a lancé cette histoire. Je dirais pas c'est lui qui l'a fabriqué. Euh... Quoique je serais un peu tenté. Mais Noël Corbus, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que, n'ayant pas trouvé de, de trésor, il a bien fallu qu'il subvienne aux besoins de sa, de sa famille, et il a eu l'idée de transformer ce domaine en hôtel-restaurant. Seulement, Rennes-le-Château, c'est au, au bout du monde, la route s'arrête là, il faut y aller exprès, et le tourisme dans l'Aude n'était pas euh, ce qu'il est en train de, de devenir à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il n'était pas développé. Donc, pour attirer la clientèle, Noël Corbu a eu l'idée de, de parler de cette histoire de trésor. Et c'est le premier. Vous savez, au début, il, mettait il avait enregistré cette histoire sur un magnétophone. Moi, je me rappelle très bien, j'avais 7-8 ans à l'époque, on montait, on montait au domaine, on s'asseyait, on prenait un verre ou on dînait, et Noël Corbu arrivait avec ce, ce magnétophone, avec les les deux bandes sur le, sur le dessus sous un capot en plexiglas transparent, et vous avez écouté l'histoire du curé au milliard. Cette histoire est partie en janvier 56, dans la dépêche. Euh, trois jours de suite, une pleine page, sous la plume de Salamon, Henri Salamon, la découverte, Rennes le Château, la découverte du curé au milliard. Et à partir de là, tout est parti, tout est parti de là. Ensuite, tout le monde s'y est intéressé. Le premier livre qui a été important publié, c'était sous la plume de, de Gérard de Sède, euh, qui était un romancier extraordinaire, qui écrivait fort bien, qui a trouvé cette histoire juteuse et qui en a rajouté euh, quelques louches au passage. Et dont le fils continue... Un euh... des fi ah, fils de Gérard de Sède. Ouais, ouais, ouais. hein on, on parle tout le temps de Gérard de Sède, mais le, le rôle du fils de Gérard de Sède... Je crois que vous l'avez rencontré, vous le connaissez? Pas encore. Pas encore. Ça va venir. Il, il vient oui, il, on organise à Rennes-le-Château pendant tous les étés des, des conférences, tous les vendredis soirs. Et traditionnellement, la dernière conférence du mois d'août, euh, c'est une euh, table ronde où on fait le point sur l'histoire sur l'affaire de rennes le château où on en est. Cette année, on va beaucoup parler du Da Vinci Code, évidemment, et parce que sans rennes le château il n'y aurait pas de Da Vinci Code, et, mm. et sans l'énigme sacrée d'Harry Lincoln encore moins. Et euh, donc, le fils de Gérard de Sède sera, sera présent ce soir-là, oui, effectivement. Donc, je, il continue. Je sous les prêt. yeux, hein, l'énigme sacrée. Henry Lincoln, euh, Michael euh, Bygant ou Bygant, et Richard, euh, Richard euh, Link. Hein voilà. Pygmalion, ouais. Jésus-Christ, le Saint Graal, le prieuré de Sion, les Cathares, les Templiers, les francs-maçons. Qu'est-ce que ça fait couler d'encre ouais, Vous avez vu, tout le monde s'est donné rendez-vous. rendez vous, là. vous rendez compte, ça va faire euh, un peu plus de, de deux heures que nous en parlons. Et nous n'avons rien dit encore, vous n'avez rien dit, sinon retracer la vie de Béranger Saunière, petit curé euh, qui aurait pu être oublié et qui découvre un secret. Mais alors ne me demandez pas quel secret. Parce que si c'est ce que vous voulez me demander, je de, n'ai pas de réponse. Euh, D'autres en ont. Dan Brown a des réponses. Dans le Da Vinci Code, de, euh, notre ami Henry Lincoln, dans l'énigme sacrée, avant, avant euh, Dan Brown, a des réponses. On part sur... Euh, la lignée sacrée du, du Christ, les mérovingiens, etc. Euh, enfin bon, ne comptez pas sur moi pour vous, pour vous dire que Béranger Sonnière a trouvé la photo de mariage de Jésus-Christ de Marie-Madeleine. Je ne vais pas jusque-là. Mmh. J'ouvre des portes, j'ouvre des possibilités, je reste persuadé que si les hasbourg s'intéressaient et ont financé Sonia pour retrouver des archives c'est que ces archives étaient de la plus haute importance et qu'il ne s'agissait pas d'une note de blanchisseuse sachant qu'ils étaient les protecteurs de rome de la religion catholique j'en conclus qu'il s'agissait fort probablement d'archives concernant représentant un danger pour l'église catholique ce qui ne veut pas dire d'ailleurs pour autant qu'ils fussent authentiques ça pouvait être des des faux, mais euh, qui présentaient un danger. Ou ça peut être une réécriture de l'histoire. Euh, alors là, bon, ben, comme je dis, je, là, je cède la parole à Dan Brown et à et Henry Lincoln. Je, je me hasarde pas à ça. Mais on est, on est dans cette voie-là. Si ce qui est formidable, c'est que la, le rêve et les supputations restent, restent toujours possibles. On parle de trafic de messes, mais on parle aussi de désobéissance à l'évêque et de dépenses exagérées et non justifiées. Alors, il faut savoir, est-ce que vous, vous me suivez euh, Le Vatican remet immédiatement Béranger Saunière, ne tient pas compte des accusations qui sont portées contre lui. Est-ce que vous confirmez Je confirme, le Vatican est passé au-dessus de la décision de l'évêque. Saunière a démissionné, il était toujours prêtre, il n'a jamais été excommunié, comme on peut le dire dans certains ouvrages, c'est faux, il est resté prêtre. Euh, quand bien même aurait-il été excommunié, il pouvait toujours, s'il voulait s'y amuser, célébrer, euh, célébrer la messe, puisque c'est un sacrement, et qu'un sacrement, il n'y a que la mort qui l'enlève. Le, Donc, euh, si, euh, même, même un prêtre excommunié, ça, qui, qui sanctifie le, le pain et le vin, euh, l'opération s'est effectuée. Mais il n'était pas excommunié, il a continué à, sa, à célébrer la messe à, à son compte, dans sa chapelle privée, les paroissiens venaient... Euh, la suivre. D'ailleurs, l'église était désertée. Le, le successeur de le remplaçant de Saunière monté à pied de Cuisa et a demandé à l'évêque de, de lui enlever cette obligation parce qu'il célébrait la messe dans une église vide. Ce qui prouve que Saunière avait toujours sa, avait toujours sa popularité. Euh, Saunière est resté jusqu'à la fin de sa vie malgré ses, malgré ses doutes et malgré ce, ce qu'il a pu découvrir qui l'a qu l'a perturbé et resté et resté un prêtre actif. On a parlé d'un pactole de 4000 milliards. Pourquoi pas mmh. Pourquoi pas Vous tant savez, on est, est... Oui. oui, tant qu'on y est, pourquoi pas euh... Vous savez, Reine-le-Château. Le, le, le domaine de Rennes-le-Château, c'est pas, pas Versailles et c'est pas Vaux-le-Vicomte. Euh, c'est une grosse maison bourgeoise, c'est un très beau parc. C'est énormément de travaux coûteux parce que c'était au bout d'une route mal empirée, qu'il a fallu monter des tombeaux, des tombeaux de terre, de pierre pour remblayer et construire. C'est bien sûr l'église, ce qui a été fait dans l'église est absolument somptueux. C'est beaucoup pour un petit curé de campagne, mais ce, pourquoi pas mais ça me, paraît, ça me paraît un petit peu exagéré. Moi, vous savez, je me demande, et, et en fin de compte, là, je, je pense que je ne vais décevoir personne, lorsque je vois opérer Béranger Sonnière, lorsqu'il commande des travaux, il agit très prudemment avec son argent. Lorsqu'il fait faire un devis, il le fait faire deux, trois fois de suite, pour qu'on le baisse à chaque fois. Quand il l'accepte, c'est vraiment qu'il est arrivé à... à, à Ordre son interlocuteur Il a même, On a même un courrier, je ne sais plus de quel entrepreneur, qui lui dit écoutez, si vous trouvez moins cher, allez-y, parce que moi, en dessous de ça, je ne travaille pas. Hein, carrément. Lorsque les travaux sont effectués, alors, pendant la durée des travaux, il, il comptabilise tout. Dans, son, dans ses carnets, on a le nombre de chartées de terre qui ont été apportés, le nombre de pierres, les ouvriers qui étaient présents, l'heure à laquelle ils ont commencé, l'heure à laquelle ils ont fini. C'est pour dire que si, si on travaillait pour lui, ça ne devait pas être marrant tous les jours, parce qu'il suivait absolument tout. On ne pouvait pas le rouler. Et lorsqu'on lui présente la facture, il la discute de nouveau, pour la faire baisser. Et lorsque finalement il se résout à accepter le chiffre minimum que l'artisan peut lui réclamer, il paye par traite. C'est-à-dire qu'il va encore gagner deux ou trois mois, et ça, ça c'est l'attitude typique de quelqu'un qui a un capital investi et qui fait travailler son capital pendant ce temps-là. C'est pourquoi je me demande à la limite si Rennes-le-Château, vu malgré tout euh, si c'est un mythe énorme, c'est quand même une réalisation matérielle qui est relativement pas modeste, mais ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, un château extraordinaire. Je me demande si à Rennes-le-Château, Sonia n'aurait pas simplement dépensé les intérêts de son capital. Ce qui suppose à ce moment-là que son capital ait été, ait été absolument énorme. Et s'il s'agissait, entre autres, hein, d'un secret dynastique, mais de quelle dynastie Alors, est-ce que c'est un secret Si un secret dynastique, ça peut toucher les Hasbourg Je pensais aux Hasbourg, hein oui. Euh, les Hasbourg, bah, une nouvelle qui aurait pu remettre en cause euh, euh, la légitimité de l'empereur d'Autriche aurait été une nouvelle qui était à même de déstabiliser le monde, du moins l'Europe. Lorsque les Habsbourg euh, éternuaient, l'Europe entière était enrhumée. D'ailleurs, comment commence la guerre de 14 C'est avec l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo. C'est ce qui met le feu aux poudres, tout, tout part de là. Donc effectivement, ça, ça, peut, ça, peut être, euh, ça peut être de ce côté-là. Ça peut être sur une autre dynastie, ça peut être sur les, sur les, euh, les Mérovingiens, euh, ça pourrait être Et je aussi... pensais à la lignée du christ puisqu'il la puisqu'il est dit que Jésus et marie madeleine auraient eu un garçon et une fille pour d'autres trois enfants ça remet toute l'église en ouais. question mais encore faut-il le prouver mais ça dans les mains d'un curé' si est -Robin. mais s'il est tombé sur quelque chose là dessus s'il est tombé là dessus je comprends pourquoi il s'est mis à il s'est mis à boire picoler oui ouais. mmh. il a dépensé autant d'argent mmh. Parce que c'est vrai qu'il est troublé. Il a trouvé quelque chose qui l'a perturbé. Il a trouvé quelque chose qui l'a perturbé. Et la, la, la décoration de l'église et la construction du domaine obéit à un schéma directeur qui tourne toujours autour de la dualité. Mmh. Cette fameuse dualité chère au Qatar opposition, le diable, ce fameux diable entré l'église, le créateur, le Rex. Que l'on trouve à l'entrée. Hein. Le Rex Mundi, le créateur de. Le créateur de ce monde dans lequel on doit, selon les Qatars, euh, rester le moins longtemps possible en n'y faisant aucun profit, puisqu'il faut atteindre l'autre monde créé par, par Dieu. C'était leur réponse à cette fameuse question que l'on vous pose lorsque vous avez la foi ou la religion. Mais si votre Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi, pourquoi autorise-t-il les guerres Pourquoi autorise-t-il les horreurs qui se font Et c'est une question à laquelle il est très difficile de, de répondre. répondre oui. Les Qatars avaient la réponse Ils disaient, non, mais le monde, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. C'est l'autre Dieu. Il y a le Dieu du mal qui est le diable et le Dieu du bien qui est le, le vrai Dieu. C'est pourquoi il ne, ne préconisaient pas de s'attarder sur, euh, sur cette terre. Le, le suicide n'était pas, euh, pas sanctionné par les, par les cathares. Et d'ailleurs quand vous voyez ces gens, qui se, euh, ces gens qui se jettent dans le bûcher en chantant, qui se jettent dans les flammes par 300 ou plus à Montségur et ailleurs... Avec une foi, fallait-il qu'ils aient la conviction de détenir quelque chose d'extraordinaire Puisqu'à la dernière minute, ils pouvaient renoncer. Ils avaient toujours la, la possibilité, au dernier moment, avant de, se, de, de monter sur le bûcher, de rejeter leur foi. Aucun, aucun ne l'a fait. On ne connaît pratiquement pas d'exemple. Alors est-ce que ces gens-là avaient, eux, entre les mains, quelque chose euh qui racontait une histoire différente, on peut, on peut l'imaginer, mais là on part dans l'imagination totale, on n'a aucune mmh. preuve. Qu'est-ce que c'était que le secret des Qatars, le trésor des Qatars évacués de Montségur pendant le siège Vous connaissez cet épisode Bien sûr. Hein pendant le siège, on leur accorde un, une trêve de 15 jours, à la condition express que personne ne sorte. Alors qu'ils étaient exsangues, ils étaient, ils étaient au bout du rouleau, et on leur accorde une trêve, ça, ça paraît curieux déjà. Et on leur demande, mais à condition que personne ne s'échappe de Montségur. Ça filtrait, ça circulait sans arrêt, mais hein. en pleine nuit, il y avait des ravitaillements et des messages qui passaient à travers les lignes ennemies. Et on sait que trois parfaits s'échappent en emportant le trésor des Qatars et qui vont le cacher dans les grottes de Lombrive et puis ensuite on perd leurs leur traces. Alors quand on parle de trésor, les gens pensent tout de suite à de l'or, à des bijoux, mais les Qatars, ce n'était pas leur problème, ils méprisaient les valeurs de ce monde. Et puis, bon, si vous connaissez le site de Montségur, si vous connaissez ce Pog, c'est un véritable nid d'aigle. Vous savez, en pleine nuit, au bout de mauvaises cordes de chanvre, quand vous descendez en rappel le long de ces, de long de ces falaises, vous n'allez pas emporter des tonnes d'or. Je pense que ce trésor était un trésor spirituel. Soit ces trois hommes qui se sont sauvés étaient eux-mêmes des livres vivants, ils avaient appris par cœur un texte, c'est pour ça qu'il euh, fallait les mettre en sûreté, ou soit plus simplement, je pense, ils emportaient avec eux des documents. Et des documents qui, pour les Qatars, étaient de la plus haute importance. Déjà, la construction, je vous interromps, ouais. Jean-Luc Robin, la construction de Montségur est déjà un, un miracle en, en elle-même. Oui. Allez bâtir ce château là-haut, là où il est. Ouais. Oh, vous savez, ils en ont fait d'autres. Hein. Euh, oui, d'accord, mais bon. Vous, vous allez voir Peyrepertuse, vous allez voir Kiribus, c'est extraordinaire. Ce sont des châteaux qui sont bâtis de telle façon qu'à moins qu'on mette le nez dessus, on ne les voit pas. Ils font, ils font bloc avec le rocher et ils sont généralement en haut de... Mais ce ne sont pas les cathares qui les ont construits, il faut le savoir. Hein. Les mmh. cathares les ont utilisés. Utilisés, mais pas construits. Euh, certains seigneurs leur ont ouvert leurs portes et les ont, les ont protégés. Parce que. Il faut savoir une chose... Au niveau de, de, de l'épopée cathare et de l'hérésie cathare, c'est que tout le Midi n'était pas Qatar. Les cathares représentaient une fraction, euh, c'était ce qu'on appellerait à l'heure actuelle une secte qui était montante. Hein. Mais lorsque les seigneurs du Nord sont venus les combattre, la population du Sud, dans son immense majorité, s'est sentie concernée et a fait bloc. C'est-à-dire que les cathares ont été protégés par des gens qui étaient parfaitement catholiques, mais qui n'ont pas apprécié que l'on vienne piétiner leur plate-bande. Mmh voilà comment, comment les choses se sont, se sont passées. Et ils ont fait bloc et la plupart des châteaux leur ont effectivement ouvert leurs portes pour se protéger. et montségur, en particulier, a été bon, ce, 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 ce bastion. et cette épopée phénoménale euh, qui s'est terminée de façon absolument, absolument, absolument tragique. donc, effectivement, pour en revenir à notre sonnière, on pourrait imaginer, et là, on part, on part un peu dans le roman historique. mais pourquoi pas? pourquoi pas divaguer quelque peu, laisser, laisser courir notre imagination. si ce secret, si ce trésor spirituel, si ces documents euh, ont pu échapper de Monségur, est-ce qu'ils n'auraient pas trouvé refuge par la suite auprès des Templiers qui, eux, à leur tour, vont être persécutés avec la même férocité Alors qu'on savait très bien qu'ils n'avaient plus d'argent. Le roi de France ne les, les a pas saisis pour prendre leur argent. Ils avaient des possessions matérielles, ils avaient des terres énormes à cette époque-là, mais ils n'avaient plus de liquidités. Ou s'ils en avaient encore, ils les avaient évacués depuis longtemps. Parce que pour faire une telle opération de police et les saisir tous un, un vendredi 13 en même temps, euh, à l'époque où on ne possédait pas les moyens de communication actuels, il y a eu des fuites. Inévitablement, ils devaient s'y attendre. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés prendre au piège, sachant très bien qu'on allait les, les arrêter. Et ils ont évacué ce qu'ils devaient évacuer. Imaginons donc que ces documents aient pu trouver refuge auprès des, des Templiers qu'on veuille mettre la main dessus. Et de nouveau, ils s'échappent. Et ils s'échappent où Vous savez qu'un des membres de la famille de Rennes-le-Château, euh, les Blanchefort, les Daupouls de Blanchefort, un des membres, Bertrand de Blanchefort, était le troisième grand maître de l'ordre du Temple. Imaginons que ces documents aient été mis en sécurité sur ce piton, qui était une ancienne citadelle visigothique, qui était un lieu sûr, qui était un peu reculé, et puis que de génération en génération, se le soit transmis, et que ce soit là-dessus que ce soit tombé Béranger-Saunière. On peut l'imaginer, pourquoi pas Mais on reste là dans le domaine de l'imagination. On n'en a absolument aucune, aucune preuve. Alors il y a, euh, outre dans l'église, je parle de l'église, je reviens à l'église, oui. la décoration donc euh, de Saunière, il y a une pièce architecturale qu'on appelle une litre. Qu'en est-il Exact. Ça, c'est une particularité. Alors, qu'est-ce qu'une qu litre d'abord C'est une, c'est une bande plus claire dans le crépi de l'église à l'extérieur de l'église et qui va donc ceinturer toute l'église. Lorsqu'une. Euh, et ça, on peut, on peut voir ça à, à Rennes-le-Château. Enfin, on le voit moins bien maintenant parce que l'église a été. Euh, L'extérieur a été restauré il y a quelques années. Et sur toute une partie de la façade, ça a disparu. Côté cimetière, mais bon, le cimetière est maintenant fermé au, au public. Côté cimetière, elle a été un petit peu respectée, on la voit encore. Qu'est-ce qu'une litre On appelle une litre funéraire. Euh, Lorsqu'une église est donc sainte de ce cordon, d'une litre. Ça veut dire que en ces murs reposent des personnages de la plus haute origine, voire de sang royal. Or, cette petite église de Rennes-le-Château présente sa particularité. Ce qui veut dire que peut-être dans cette église sont enterrés ou ont été enterrés des personnages de haut rang. Roi ou saint Roi ou saint. Et on peut difficilement s'empêcher à ce moment-là de... De partir et de divaguer. Et quand on sait qu'il y a sous cette église une crypte dans laquelle encore personne n'a pu pénétrer, hormis. Vraiment euh, personne Certains disent y être descendu, Jean-Luc Robin Je ne pense pas que quiconque y soit encore descendu, à part Béranger Sonnière. Personne n'a soulevé cette dalle qui permettrait d'accéder Beaucoup ont tenté d'y accéder par l'extérieur. Un voisin, pendant de nombreuses années, a creusé une galerie en direction de, de l'église. Euh, au moment même où il, il s'approchait des fondations de, de l'église, la galerie s'est écroulée, donc euh, il, a été, euh, il a été dépisté. Son, son successeur a, a pris la suite, on voyait, vous vous souvenez ce film La Grande Évasion où les gars euh, évacuaient de la terre mmh. dans, leur, euh, dans le bas de leurs pantalons Alors c'est un petit peu pareil, depuis des années on Steve voit... Steve McQueen, les fils euh, de fer voilà. ouais. Alors depuis, depuis des années, dans une certaine maison de Rennes-le-Château, on voit de temps en temps partir un, une, petite, euh, une petite remorque avec des petits sacs de, des petits sacs de terre derrière, mais je ne pense pas qu'à l'heure actuelle on y soit encore, euh, on y soit encore parvenu. Je continue toujours dans mes interrogations. Euh, Savez-vous quel est l'emblème de la famille de Dable Non. Une étoile de David. Ah, une étoile de David, c'est ça, oui, si, si, c'est vrai. Vous voyez qu'on va revenir. Oui. Vous allez vous intéresser aux étoiles à six branches. Euh, Qu'est-ce que j'avais encore à vous poser comme question Il euh, y a toute une lignée de prêtres qui se sont succédés à, à Rennes-le-Château, après Béranger-Saunière. Après Béranger Seunir, je vous savez, je ne sais pas exactement quand est-ce que bon, il n'y a plus de prêtres à l'heure actuelle. Je ne sais pas exactement mmh. quand est-ce que ça s'est euh, que ça s'est arrêté. Je n'ai pas, je me suis pas penché sur la question. Je ne sais pas depuis quand la paroisse est sans, est sans prêtres. prêtre. Excusez-moi si je vous donne du boulot en rentrant. Hein. Oui, faut que je, il faut que je revoie ma copie. Il y, y a un autre, un autre endroit, c'est Notre-Dame de Marseille, mmh. qu'on relie assez souvent à, à Rennes le Château. Pourquoi vous connaissez la chapelle Bien sûr, bien sûr, le droit de Marseille, sa Vierge Noire. Et, et pour certains, dont, dont Franck Dafos, euh, c'est là en fait qu'aurait été euh, caché cet énorme, euh, cet énorme trésor dans lequel depuis oui. le XVIIe siècle des prêtres dont Béranger Sonnier, ont puisé. Mais pour lui, c'est un... Pour Franck Dafos, il s'agit d'un dépôt qui qui a été déjà utilisé au XVIIe siècle, mais qui était tellement énorme que un certain nombre de prêtres qui étaient dans la confidence ont continué à l'utiliser. Le de Marseille qui Dérangé. se trouve à, à l'entrée de, de, de Limoux. Bonsoir Richard. Et puis, et alors, ma, ma question, moi c'est bon vous n'avez pas évoqué Poussin là, les tableaux de Poussin, enfin, le... ça prend d'importance pour vous mais Nous attendions que vous en parliez euh, Richard. Non parce que bon c'est un c'est un personnage enfin qui a clé aussi dans, dans, dans mmh. l'histoire rennes de Château. Hein. C'est effectivement un, un des éléments importants et ça fait partie précisément de ces éléments dont je parlais tout à, que je mentionnais tout à l'heure en disant qu'il y a certaines, certains volets importants de cette histoire dont on parle dans beaucoup de livres dont je ne parle pas de, pour ne pas faire de peine. Pourquoi Parce que je ne suis pas convaincu? Euh, mais n'ayant pas la preuve formelle qu'il qu puisse s'agir d'une supercherie, je ne veux pas m'avancer à autre mesure, parce que ça serait malhonnête de ma part. Et je n'ai pas non plus la preuve formelle qu'il s'agit d'une vérité. Ce qui me gêne dans l'affaire Poussin, si vous voulez. Alors tout part du tableau Les Bergers d'Arcadie. Hein, voilà. les, berg, les deux bergers la bergère qui se penchent sur ce tableau, sur, le, sur ce tombeau, pardon, sur lequel est marqué Et in Arcadia Ego. Et euh, d'aucuns ont voulu reconnaître sur l'arrière-fond du, du tableau. Euh, un paysage proche de Rennes-le-Château. Hein. Donc il s'agirait du tableau. Et il se trouve qu'à quelques kilomètres de Rennes-le-Château, il y avait à une époque encore, puisqu'il a été détruit depuis le, le propriétaire des lieux, la Didamité, il une vingtaine d'années, il y avait un tombeau tout à fait euh, semblable à celui qui est sur le tableau de Poussin, un endroit dit les et il est vrai que le paysage dans le fond ressemble assez au, au paysage peint sur le tableau. n'est pas Le paysage n'est pas copie conforme, donc ça c'est déjà un petit peu gênant quand même. La végétation en trois siècles a bien sûr pu euh, progresser ou régresser, mais euh, les montagnes, elles ne se sont pas érodées en, en trois siècles. Donc la représentation fait penser à, mais n'est pas parfaitement fidèle. Mais moi, ce qui me gêne le plus, et là j'aimerais que quelqu'un m'apporte la réponse, comment Nicolas Poussin a pu en 1740 peindre un tombeau qui, lui, n'a été construit qu'en 1915, puisque le tombeau... Tombeau des Pontils n'a été construit qu'en 1915. Donc en fait, c'est de nouveau l'histoire de la poule et de l'œuf. Je pense que le, le tombeau des Pontils a été construit à l'époque par le propriétaire des lieux, peut-être en référence au, à, ce, à ce tombeau de Poussin, mais ça n'est pas, pas l'inverse. Il n'existait pas auparavant. Donc c'est pour ça, c'est ce qui me gêne un petit peu dans cette affaire. Ah, euh, vous avez évoqué aussi le, le livre. Alors bon. Euh, enfin, au niveau des thèses, bon, vous oui. les avez évoquées, on hein, les a passé euh, bon, euh, quasiment tout en revue, mm -hmm. peut-être à l'exception de l'Arche d'Alliance ou le Trésor des Visigoths. Bon, euh, qu'il y ait également, ça tourne autour d'un secret de succession, enfin de dynastie euh, christique mérovingienne ou autre. Hein. Bon, ça vous l'avez évoqué, mais, mais vous faites allusion, disons, à un livre de Jules Verne, mm -hmm. qui est euh, un roman qui Clovis est Clovis plus... et Comment Clovis d'Ardentor. Voilà. Donc Clovis, par, euh, par rapprochement, ça ne serait pas un rapprochement avec la, justement, dynastie mé mérovingienne. y songer. On peut y songer, d'autant que... C'est trop visible, mais enfin... Hein, ben oui, mais enfin, parfois, c'est les choses les plus, les plus visibles qui passent le plus inaperçues. Ouais, ça m'a fait penser euh, comme ça à M. Gignorette's bouquin. Ouais, Et ben, comme ça, la butte en blanc, il dit, ben, effectivement, s'il y a un rapport qui est nazis mérovingiennes, donc ça fait des tralettes, quoi. Il, il, enfin. a fallu que, il a fallu que le, le mystère de Rennes-le-Château euh, soit révélé au grand public dans ces dernières années pour qu'on exhume ce livre de de Jules Verne, qui est d'ailleurs pas un de ses meilleurs, c'est pour ça qu'il est un petit peu, peu... Peu de gens le connaissent, en fait. Clovis, Clovis d'Ardentor n'a pas laissé un souvenir impérissable. C'est loin d'être le meilleur texte de Jules Verne. Par contre, il y, y, a, y a une foule de clins d'œil qui rappellent Rennes-le-Château et ses environs. D'accord. Et alors, il y, y a également... Vous avez évoqué la, comment, les problèmes de santé de la Bessonnière. Et particulièrement, là, il avait un œil de verre, vous m'avez dit. Hein oui, oui enfin, il a perdu l'usage d'un œil vers la cinquantaine. C'est dû à quoi ça on, on le sait ou pas Parce que, bon, y a, y a... j'ai fait le rapprochement, tout d'un coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est-à-dire que, comment, donc, il y a un quatrain de Nostradamus, là, c'est dans la première centurie, et c'est le quatrain 27. Hein, mmh. Il parle d'un trésor, donc, dans la région, mmh. de, de, de Guyenne. Hein, et il parle, donc, qu'un tr trésor serait caché et que celui qui le trouverait aurait l'œil crevé, par ressort. Ah, c'est assez, euh, assez passionnant, ce que vous sortez là. Ça, je, je, je l'ignorais, mais enfin, ça, 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 ouvre, euh, ça ouvre une piste fascinante, une fois de plus. Voilà, bah, c'est le rapprochement que j'ai fait, parce que, bon, ah ouais. euh, moi, j'aime bien me faire mais, mais là, bon, c'est connu, enfin, tout le monde le cite, ce, ce, ce trésor caché, mais c'est l'histoire de l'œil crevé, enfin, de l'œil de verre de, 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 de l'abbé Saunière, quoi. Oui, mais écoutez, c je pense que c'est une c'est une piste c'est piste intéressante. Je, je l'ignorais, mais euh, je trouve ça absolument ça c'est ce qui est formidable, c'est dans ces discussions on apprend autant que l'on on, reçoit autant que l'on donne. D'accord. Et alors une dernière chose parce que bon euh, maintenant on reste toujours sur sa fin, c'est-à-dire que bon il euh, y a un tas d'hypothèses hein, qui sont échafaudées, bon et puis à un moment donné mais il y, y a bien quelqu'un qui est qui détient enfin qui bon. Qui détient, enfin, je ne sais pas si le trésor est toujours à Rennes-le-Château, mais il y a quelqu'un enfin, ben, parmi je ne sais pas quelle filière, mais qui, qui à un moment donné euh, voudra, voudra que, le, que le secret soit révélé. Tout dépend de quel secret il s'agit. Bon, alors s'il s'agit d'un trésor, euh, moi je ah, pense qu'il a été trouvé. Oui. Euh, donc pourquoi s'échiner à chercher un, un trésor qui a déjà été trouvé Ça, c'est quelque chose que je jamais compris au niveau des chercheurs. Euh, bon, cependant, il ne faut pas qu'il se décourage parce que je reste persuadé qu'un de ces jours, un chercheur, en, en cherchant le trésor de la Bessonnière que la baissonnière a déjà découvert et dépensé, va tomber sur un dépôt auquel il ne s'attend absolument pas. Je suis persuadé que dans notre région, il y a euh, un ou plusieurs dépôts qui dorment parce que euh, l'histoire de ce lieu est tellement, a été tellement mouvementée et tellement riche que c'est pas du tout c'est pas du tout impossible. Donc je pense qu'un de ces jours quelque chose comme ça va se, va se produire. Mais ça sera pas le trésor de la Bessonnière, le trésor de la Bessonnière, l'a pour moi, il l'a il l'a trouvé et il l'a utilisé. S'il s'agit d'un secret et si c'est un secret euh, qui touche à la religion et si ce secret a été remis comme je le suppose par Béranger Saunière à l'empereur d'Autriche dès l'époque, c'est-à-dire François Joseph, euh, ce dernier a dû le transmettre à son successeur. François Joseph a régné 60 ans. Il est un successeur qui a régné très peu de temps, qui a été le dernier empereur d'Autriche, qui s'appelait Charles Ier. Et avant d'abdiquer, puisque Charles Ier a abdiqué pendant la guerre de 14 il est logique d'imaginer qu'il l'ait remis. Si ça concernait l'Église, qu'il l'ait remis au Vatican. Et comme je dis dans mon livre, euh, la bibliothèque du Vatican n'étant pas une bibliothèque de prêt, il y a peu de chances que euh, on puisse mettre la main, la main dessus. Mais alors là, vous savez, vous m'ouvrez justement une, une, un volet. Euh, qui, sur lequel je, je, je conclue mon livre avec un gros point d'interrogation. Est-ce que vous savez que, euh, parce que c'est quasiment passé inaperçu, il y a un an et demi, euh, Jean-Paul II a canonisé Charles Ier, le dernier empereur d'Autriche. Et les, les gens euh, autorisés se sont, se sont beaucoup interrogés sur cette canonisation euh, subite et bizarre d'un homme qui n'a pas euh, fait de miracle, qui était un dévot, qui a cherché désespérément à sauver la paix pendant la guerre de 14, mais qui n'y est pas arrivé, d'autant que Clemenceau avait juré la perte de, de la maison de, de Hasbourg, il y est parvenu par toutes sortes de manœuvres, dont le, le, le suicide de Meyerling, qui n'était qu'un assassinat déguisé. Euh, mais ce Charles Ier, qui était un personnage relativement, je dirais, au vu de l'histoire, relativement fallot, qui est mort en exil à, à Madère, euh, sa veuve, l'impératrice Zita, lui a succédé, lui a survécu très longtemps. Pourquoi Brusquement ce personnage assez assez pâle, a été canonisé. Et je termine sur cette interrogation serait-ce pour euh, cet éminent service qu'il aurait pu rendre à l'Église de euh, remettre des documents qui présentent un danger pour elle ah, Donc, donc alors le, le, le secret n'est pas prêt à être dévoilé, parce que moi je pensais qu'on on, on arrivait à presque à terme et que, et que disons, sur un temps relativement court, disons, il y aurait quand même cette révélation. Quoi. Ben je, si, si, si ma théorie est exacte, parce qu'il ne, il ne s'agit que d'une théorie, hein, et je ne prétends absolument pas détenir la vérité. Mais si euh, j'avais raison, et si effectivement c'est au Vatican qu'il faille aller chercher, euh, ben je ne pense pas que c'est pour demain. Ben oui, c'est ça. Enfin, bon, alors que je pense que moi, au contraire, vu la publicité qui a, a faite maintenant au niveau planétaire avec le livre de. Euh, comment, même si c'est si du commercial, comment, le, de, 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 de Vinci Code. Ça prépare les esprits, et puis bon, donc, on est, on est, enfin, beaucoup d'esprits sont dans l'attente, et, et on voit que, que les, les, les livres se succèdent, et que bientôt, sera, pour moi, ça sera, sera dévoilé le secret, puisque rien de ce qui est caché doit le rester, hein, d'après l'air du verso, maintenant, bon. Enfin, c'est ce, ce qui a été dit il y a 2000 ans. Affaire ouais, à, à, faire à suivre, à voir, peut-être, voilà. hein, qui sait. <laughs> Bien, bah, merci, hein, c'est passionnant, enfin, bravo pour votre travail. Merci, merci de votre, de votre appel. Merci, au et bon merci pour les questions, Richard. Au revoir. Nous avons besoin de rêver. Exact. C'est important aussi. Irène, le château est un, est un vecteur important du rêve à l'heure actuelle. C'est un, un endroit qui est, qui est fait pour ça. Vous voyez, ce, ce qu'on peut vous reprocher, entre guillemets, c'est que le livre que vous venez d'écrire n'est pas du tout un rêve. Hein. On ne fait pas rêver. Euh, J'ai l'impression qu'on rentre beaucoup plus dans la vie intime mmh. euh, de Béranger Saunière. Que vous êtes davantage attaché à raconter euh, l'histoire euh, de cet homme euh, prêtre spirituel, bon vivant, un peu fêtard, un peu alcoolo sur les bords, qui aime les femmes, euh, ça fait pas rêver ça. Ça fait pas rêver, mais je veux dire une chose le rêve, le rêve, se, à mon avis, hein, le rêve ne se nourrit pas de rien. Le rêve se nourrit de réalité. Un bon rêve, c'est un rêve qui a les pieds sur terre au départ, et puis ensuite on délire. Mais pour délirer, il faut une base. Euh, le délire pour le délire, le rêve pour le rêve, ça, ça va pas loin. donc ce que j'essaye de, de faire dans, dans ce livre, c'est de donner des éléments qui, qui nourrissent le rêve. mais je laisse à chacun, c'est pour ça que je dis à un moment à partir de ce moment-là, je vous lâche là, je dois vous lâcher la main, lorsque je vous lâche la main, c'est pour vous laisser rêver. j'essaie de donner des éléments qui vont nourrir le rêve. mais je n'incite personne dans tel ou tel rêve. je n'ai pas de message à faire passer. je n'ai pas de, de, de théorie à imposer. Je ne suis euh, ni, euh, ni prédicateur, ni messianique. Je ne me prends pas pour l'envoyé de Jésus-Christ, ni pour euh, le fils secret de Marie-Madeleine. Euh, je n'ai pas de théorie à, à imposer. Je ne suis pas là pour prêcher. Euh, J'ai découvert cette histoire. Je l'ai ai, aimée. J'ai vécu dedans. Le hasard de la vie m'a mis euh, au centre euh, de ce, ce maelstrom. Vous y avez habité J'ai habité sur place. J'y suis encore. Euh, puisque mon établissement est dans les jardins de, de, de la Bessonnière hein, et, et, et je m'y suis beaucoup attaché, mais ce n'est pas à moi d'autres l'ont fait, d'autres le feront mais moi je ne me sens pas cette autorité pour prendre quelqu'un par la main et lui dire venez on va rêver ensemble dans telle direction donc j'ouvre des portes, j'ouvre des fenêtres je donne des voix J'essaye de me rapprocher de la, de la façon la plus humaine de ce, de ce prêtre hors du commun, et puis ensuite à chacun son aventure personnelle, à chacun à chacun de vivre son, de vivre son rêve. Donc effectivement, mon, mon, mon livre n'est pas un livre de rêve, mais c'est un livre qui peut nourrir le rêve. C'est un terreau avoir, pour le pourquoi rêve. Pourquoi avoir sous-titré « Reine le château », le secret de sonnière Parce que le rêve est là, le rêve est à partir du moment où on dit « mais quel est ce secret ?» Puisque je reste persuadé que Saunière a mis le doigt sur un, sur un secret extrêmement important, qu'il l'a qu perturbé. Et, et je ne m'avance pas jusqu'à dire quel était ce secret, parce que je, je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux que partir dans des, dans des directions où certains sont déjà partis, indiquer des voies, mais je ne peux pas affirmer que c'est telle ou telle, telle ou telle théorie qui a, la, qui a la primauté. Donc le secret de Sonia, j'aurais pu le mettre en dessous, le secret de Sonia reste entier. Et Franck Dafos, lui, sous-titre son bouquin Le secret dérobé. Oui, vous savez, il y a une anecdote très amusante. 15 jours avant que je me décide pour ce dernier titre qui est tout simple euh, je me rappelle plus ce que j'avais trouvé mais j'avais trouvé un titre qui était pratiquement le même que celui de Franck Dafos. et j'avais son éditeur au bout du fil qui me dit mais tu peux pas faire ça <laughs> je l'ai déjà donc j'ai dû changer de titre pour qu'on ait pas mais on avait pratiquement le même titre c'était pas dérobé mais c'était dans cet esprit là ça c'était très amusant donc là je me suis éclipsé je dis ok je laisse ouais. le secret dérobé et je vais euh, adopter un profil plus bas avec le secret de Sonia j'ai trois thèses à vous proposer Quant au secret de, de Saunière, les thèses historiques, une thèse historique, plusieurs thèses historiques, thèses ésotériques, et puis, et là peut-être je vais vous faire sauter euh, de, de joie, et s'il y avait une thèse où il n'y aurait pas de trésor, y avez-vous pensé Vous parlez de trésor matériel, il n'y aurait pas de trésor matériel. Oui. Pourquoi pensez-vous que ça me ferait sauter de joie Je sais pas. Oh non, je ne veux pas faire de peine à tous mes amis chercheurs quand même. Non, non, je... non il ne faut pas dire ça. On va pas dire qu'il n'y a plus de trésor à Rennes le Château, c'est terrible. Non, je, sur, sur cette, sur cette phase-là. En se mettant dans la catégorie des gens dits raisonnables. Hein, hein. Dans la catégorie des gens dits raisonnables, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'il euh, y a eu une partie, une partie matérielle sur laquelle Sonnière est tombée et qu'il a investi, qu'il a dépensé. Et si son trésor était encore intact à sa mort... Ça n'est pas euh, en démolissant la, la villa et en retournant la terre aux alentours de Rennes-le-Château et dans les bois et les, et les vallons environnants qu'on allait trouver son trésor. Euh, si effectivement son, son capital était encore intact à sa mort, c'est dans une banque à l'étranger qu'il fallait mmh. chercher. Marie de n'a pas hérité marie n'avait pas hérité, elle était propriétaire du domaine. Hmm. Tout était mis à son nom. Béranger Saunière n'avait rien à lui. Il n'avait que sa soutane et sa barrette. Il est mort euh, sans rien Il est mort sans rien. Et Marie-Denarnaud s'est trouvée, à la mort du prêtre, dans le, dans le besoin, parce que ça faisait déjà 2-3 ans que Béranger Saunière avait du mal à honorer ses, ses factures. Pourquoi Parce que la guerre de 14 avait éclaté. Il était ruiné par la guerre il était momentanément gêné, il n'était pas ruiné. Si oui. son argent était placé à l'étranger, d'ailleurs, on, on, on voit très bien qu'à partir du moment où la guerre éclate, il ne fait plus ces déplacements mystérieux qu'il faisait autrefois quand il s'absentait une semaine pour aller chercher de l'argent et qu'il revenait avec des liquidités. Il ne bouge plus, il ne les fait plus. Il est gêné, il ne peut plus payer euh, ses fournisseurs. Et néanmoins, on a des courriers qu'il échange à l'époque avec son architecte. Il fait des projets grandioses, il veut. Re reconstruire les murailles qu'il qu y avait autrefois autour de rade le château mmh. et faire une tour encore plus grande. Projet pharaonique. Pharaonique. C'est Ce oui. une attitude curieuse pour quelqu'un qui donne l'impression d'être ruiné. C'est qu'il n'est pas du tout ruiné, il est simplement momentanément gêné. Il ne peut plus aller relever ses compteurs parce qu'ils sont, si c'est à Budapest, comme je le pense en ligne ennemie, donc ça présente des problèmes. Il pense que le conflit ne va pas s'éterniser des siècles, et lorsque le conflit sera terminé, eh bien, il retournera toucher les dividendes de son, de son capital. Seulement la mort le surprend en 1917, en pleine guerre, et il laisse à Marie quel était le secret que Marie voulait révéler à Noël Corbu, et qu'elle n'a pas pu lui révéler au moment de mourir. Elle n'a pas pu ou elle n'a pas voulu ah, Elle, elle n'a pas pu. Est-elle restée fidèle à ce que lui avait demandé béranger saunière je pense que c'était une femme qui savait tenir sa langue. Elle parlait très peu, d'après ceux qui l'ont connue, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui ont connu Marie Delarno dans le, dans Mais le parce village. Parce que ça se passe pas si loin. Hein. Elle est morte en 53. Mmh. Elle est morte en 53, il y a des tas de gens dans le village qui l'ont qui l'ont connue. Et c'est quelqu'un qui parlait peu. Elle se confiait très très peu. Et elle a su tenir sa langue. Je pense qu'elle savait. Elle a partagé tous les secrets du prêtre, et certainement même beaucoup plus que ses secrets. Et elle a, su, elle a su se taire. Mais j'ose espérer qu'elle était sincère quand elle disait à Corbus, je vous révélerai quelque chose qui, vous, qui fera de vous quelqu'un d'immensément riche. Seulement, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a été victime d'une attaque, elle s'est retrouvée paralysée et elle s'est retrouvée dans l'impossibilité physique de faire le moindre signe, d'écrire un mot ou, ou de transmettre quoi que ce soit. Il y a une certaine similitude entre la mort physique de Saunière et de Marie Delano tous les deux ont été victimes d'une attaque à cette différence-prix euh, que Saunière, lui, a recouvré ses esprits mmh. et est mort en pleine euh, quelques jours plus tard. Cinq jours après euh, Cinq jours après, oui. On, on dit beaucoup, euh, enfin il y a beaucoup de, de bruit, vous savez, euh, euh, c'est un curé qui s'appelle Rivière, il me semble, hein, mmh. que Rivière, euh, qui était un homme bon vivant, euh, est ressorti de la chambre de Saunière. Euh, et qui n'a plus jamais été comme avant. C'est ce que disait la nièce de Rivière, que son oncle, euh, Rivière était curé d'Esperaza, c'était un homme euh, oui, jovial, bon vivant, qui partageait volontiers euh, la vie de ses paroissiens, très ouvert. Et la confession de Sonnière a duré plus de 5 heures, elle a duré l'après-midi entière. Mmh. Hein, C'est à peu près le temps de votre émission, vous vous rendez compte ce que ça peut donner. Et puis, euh, Rivière est sorti par, complètement perturbé. Et à la suite de ça, c'est euh, muré dans le silence, c'est plus devenu le même Et il a, ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de cela, il a fait des, des transformations dans son église. Il a fait des rajouts, si vous allez dans l'église d'Espéraza, alors vous y retrouverez l'enfant le, Jésus de Prague, que Sonnière vénérait, qui était dans sa, dans sa villa. Euh, et puis vous, vous trouverez, en entrant à gauche dans l'église d'Espéraza, une reconstitution du tombeau du Christ avec le Christ représenté, ce qu'on trouve assez, assez rarement en grandeur nature, le Christ représenté mort dans son, dans son tombeau. Cette transformation a été faite après, après, la, mort de, après la mort de Saunière. Mmh. Et autre chose, pour dire à quel point Rivière a pu être perturbé par euh, ce qu'il a entendu ou choqué, c'est qu'il n'a pas administré les derniers sacrements mmh. à, à Saunière. Mmh. Alors l'a-t-il oublié ah sous oui, le là, choc Là, vous apportez une... Oui, le... oui, oui. Ou n'a-t-il pas voulu le faire Mais les, les derniers sacrements ont été administrés par la suite à Saunière, mais post-mortem. Ce, ce qui est quand même assez rare. Donc Saunière est mort. Et a été enterré avec les sacrements de l'église, mais ces sacrements des malades, ces sacrements de l'extrême-onction, il ne l'a pas reçu de son vivant. Mmh. Ça lui a été administré. On a, on a réparé l'oubli, Rivière a réparé l'oubli, puisque c'est Rivière qui était à son enterrement. Euh, ils étaient trois prêtres pour célébrer son enterrement. Et Rivière a réparé l'oubli post-mortem. De même que les sanctions qui frappaient, euh, frappaient Béranger-Saunière ont, euh, ont été levées. Où repose-t-il euh, actuellement jusqu'à présent, il reposait là où il avait souhaité reposer, dans le, dans le cimetière, euh, en, haut du, en haut du cimetière, euh, en compagnie de ses paroissiens, à côté de Marie Desnarnaud avait été par la suite enterrée à, à ses côtés. Et l'hiver dernier, la municipalité a pris euh, la décision de... Le, la tombe était en très mauvais état. Et plutôt que de restaurer cette tombe à l'endroit où elle se trouvait, et pour éviter les va-et-vient dans le cimetière, la municipalité a fermé le cimetière et a déplacé la tombe de Béranger Sonnière dans son, dans son domaine. Donc, il se trouve maintenant le tombeau de Saunière. Hein, il, a, il a un tombeau tout neuf qui, qui date de quelques mois et qui est dans, dans, son, dans son domaine. Il ne se trouve plus à l'endroit où il souhaitait euh, être enterré, puisqu'il avait, il avait acquis une, une concession à perpétuité à cet endroit-là. Je suis en train de m'en vouloir un peu. J'ai dû sûrement bloquer les appels des auditeurs en ayant trop de questions à vous poser. Mais je suis tellement passionné par Rennes-le-Château et vous avez envisagé euh, de raconter euh, Béranger-Saunière sous un angle qui est loin d'être déplaisant. Même, j'insiste une fois encore, même si vous n'êtes pas dans le délire de certains, que vous êtes beaucoup plus près de la réalité, Jean-Luc Robin. Je, je, pense, je pense coller pas mal à la réalité. Le délire, le délire c'est pas mon affaire. Et puis je vais vous dire une chose, vous pouvez difficilement, et ça je l'ai vu parce que j'en ai, ai eu l'expérience, j'ai vu un certain nombre de personnes à qui c'est arrivé. Vous pouvez difficilement vivre à longueur d'année à Rennes-le-Château, y exercer une activité dont vous dépendez pour, si je veux dire, au besoin de votre famille, et en même temps partir dans les délires ou dans la chasse au trésor. Ceux qui l'ont fait s'y sont brûlés les ailes et s'y sont perdus. Mes prédécesseurs dans le domaine, qu'il s'agisse de Noël Corbu ou qu'il s'agisse d'Henri Bution par la suite, cherchaient le trésor, sont partis dans tous les délires, ont négligé leurs affaires et sont morts dans la misère. Alors j'espère que c'est pas ce qui m'arrivera, j'essaie de garder les pieds sur terre, oui. hein, tout, en, tout en goûtant quand même quotidiennement. À, au délire des autres. Rennes-le-Château a porté malheur à certains Je le pense, oui. Oui, oui, sans aucun doute. Vous savez, je compare Rennes-le-Château, c'est un endroit qui n'est pas anodin. On... Il faut vraiment n'avoir aucune sensibilité pour ne pas s'en rendre compte quand on, est... quand on pénètre dans ce... dans ce village et quand on voit ce lieu. Et pour moi, c'est un endroit qui fonctionne un petit peu comme un... Euh, comme un amplificateur. C'est-à-dire qu'il va amplifier à la fois d'un côté éventuellement ce que vous avez de bon en vous ou ce que vous avez de mauvais en vous. Euh, J'ai vu beaucoup de gens monter là-haut avec de noirs dessins et, 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 et être les victimes d'un effet de boomerang et se reprendre, se reprendre dans la figure très rapidement toute la, toute la hargne ou toute la méchanceté qu'ils avaient pu euh, distiller. Alors là, on, on rentre presque dans le jeu de la, de la superstition, mais je l'ai vu de mes yeux vus, j'ai vu des gens là-haut perdre leur âme et perdre, euh, et perdre la raison. Oui. Il y en a qui seraient devenus fous à Rennes-le-Château Il y en a qui ont pété les plombs. Oui, mmh. oui. oui. C'est un, un endroit qui est. Qui... Je ne dirais pas que c'est un endroit dangereux, mais c'est un. Oui, il faut faire attention. Alors, quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui iraient par curiosité à Rennes-le-Château d'abord de se repaître de la beauté du paysage je pense que ça devrait leur apporter une certaine une certaine sérénité parce que c'est un lorsqu'on est en haut de, de cette colline c'est la vue est absolument absolument merveilleuse euh, on a l'impression d'assister à la création du monde tellement c'est beau ça change de d'heure en heure selon l'éclairage c'est absolument superbe et puis ensuite quand même de mais de garder la tête froide et de et de suivre de suivre cette affaire d'un œil un petit peu un petit peu amusé mais de, de rester de rester lucide de ne pas prendre et surtout 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 de ne pas prendre parti. Votre conseil faut-il y aller avec des outils, des pioches, des pelles, des détecteurs de métaux, des bottes, enfin que sais-je encore Là, je, je pense que je pense que d'abord c'est interdit et, et je pense que c'est peine perdue. Bien, écoutez, le standard reste silencieux. J'espère que nous aurons fait avancer, nous aurons avancé ensemble sur la découverte de Rennes-le-Château. On va en parler encore longtemps, selon vous Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler parce que ça a pris une, ça a pris une telle ampleur, euh, c'est impossible que ça s'arrête. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Je pense qu'on est, on est au début au d'une début affaire monumentale. Euh, cette joie d'écrire, on la sent quand on lit votre livre. Il y, y a beaucoup de facétie dans la façon dont vous écrivez, comme chez Béranger Saunière. Il est facétieux, Béranger Saunière. Il mmh. y a une véritable jubilation quand vous écrivez. Il y a longtemps que vous avez décou découvert que vous aimiez écrire J'ai ai toujours j'ai toujours aimé euh, jouer avec les mots, j'ai toujours, ai toujours aimé écrire, mais je n'avais jamais écrit vraiment de, de livre. C'est vrai que j'ai pris, pris beaucoup de plaisir à écrire celui-là. Euh, c'est bon, c'est bon, c'est mon tout premier. Mais c'est un. Comment dire c'est un, un ouvrage qui a été euh, façonné euh, jour après jour auprès du public. Puisque quand j'étais dans le domaine, je l'avais ouvert au public, je recevais les visiteurs et je, je les guidais dans leur, euh, dans leur visite. Et il y avait toujours cette espèce de jubilation d'avoir un toutes les heures un public différent, 30-40 personnes qui se passaient dans une salle et qu'il fallait conquérir très vite et j'ai toujours eu ce, ce, ce plaisir à, à entendre voler les mouches au bout de 45 secondes en disant ça y est, c'est fait et maintenant je peux les embarquer où je vais. Et ce sont eux un petit peu qui m'ont incité, ces visiteurs qui m'ont incité à écrire ce livre parce que inévitablement à la fin de chaque visite, euh, un certain nombre d'entre eux me disaient mais vous n'avez pas écrit un bouquin parce qu'on aimerait bien repartir avec cette histoire dont j'ai fini, fini par l'écrire. Mais c'est vrai que euh, je l'écris avec beaucoup de, beaucoup de facilité parce que le texte était, était dans ma tête depuis longtemps et il avait été si isler, peaufiner jour après jour, et je savais quels étaient les mots qui portaient. Et vous parlez de, de face si C'est vrai que j'utilise l'humour, la dérision, la malice. La malice. Mmh. Euh, ça a été pour moi mon, mon antidote à rennes le Château, parce que je peux vous assurer que parfois l'atmosphère peut être extrêmement euh, pesante là-haut. Et la seule façon de garder la tête froide, c'est précisément de manier euh, de manier l'humour et la et la malice, sans sans avoir recours à, à, à la méchanceté pour autant. C'est Papa Robin. Je parle de, de votre père qui le premier vous a raconté à 7 ans l'histoire du curé au milliard. Exact. Le, vous savez quand j'ai créé le musée dans le domaine avec Antoine Captier, c'est là qu'il a produit les pages de la, ces fameuses pages de la montagne de la montagne de la dépêche où sous la plume de Salamon euh, s'étalait l'histoire du curé au milliard, la découverte du curé au milliard, et je me rappelle du titre encore d'un coup de pioche dans le pilier du maître-hôtel, « La Bessonnière met à jour le trésor de Blanche de Castille ». Et là c'était parti, ça a duré trois jours. Et bien quand j'ai relu ces articles, j'ai entendu la voix de mon père. Mon père, en fait, lorsque j'avais 7 ans, me racontait ce qu'il avait lu dans le journal. Et ça a été un mouvement pour moi extrêmement, euh, extrêmement intense. C'est pour ça que... Mon père est mort maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. C'est pour ça que je lui ai dédié ce livre. Je lui devais bien ça. Oui, je l'avais lu. Et puis dans 15 jours, nous reparlerons encore de Rennes-le-Château. J'espère que celles et ceux qui nous ont entendus connaissent mieux maintenant l'histoire de Rennes-le-Château. On n'a pas été dans le dans le l'irréel, l'irrationnel. Euh, Franck Dafos, que vous connaissez. Franck Dafos, qui, qui est devenu un ami et qui a sorti son livre à peu près en même temps que, à peu près en même temps que moi, qui est un excellent ouvrage. Et puis, euh, ben je vous préviens à l'avance, avec Franck Dafos, prévoyez de nombreuses heures, parce mmh. que pour arrêter son flot de paroles euh, il faut un pack de rugby. Vous verrez, s'il a la faconde du Toulousain, il est absolument passionnant. Et paradoxalement, euh, ce livre de Franck Dafos, donc euh, aux éditions L'œil du Sphinx, Le Serpent Rouge Volume 3. En photo, ce n'est pas Béranger Saunière, mais c'est Monseigneur Billard. À découvrir. Billard, vous avez des billards comme c'est bizarre. Merci Jean-Luc Robin. Bonne Bonsoir. route. Rentrez bien à Rennes le Château. Merci beaucoup. Au revoir. Donc voilà, en conclusion, euh, j'aurais tellement aimé interviewer les derniers témoins de cette affaire, car au final, c'est une histoire très récente et beaucoup de natifs de Rennes sont encore là pour témoigner, surtout des, des, des femmes. Des femmes qui ont connu euh, de plus ou moins loin. Euh, euh, voire fréquenter Marie Desmerneaux, qui, je vous rappelle, est décédée en 1953, donc c'est pas si ancien que ça. Donc des personnes l'ayant connue sont forcément toujours en vie. Hélas, la déferlante de gratte de papier et chercheurs de trésors de tout poil ont écœuré les habitants, et c'est bien compréhensible. Tout un tas de journalistes qui venaient interroger de manière agressive les habitants en l'air selon de questions, dans l'unique but de faire du sensationnel, parce que c'est juste ça. Et d'avoir les réponses qu'ils avaient envie d'entendre, quitte à reformuler encore et encore les mêmes questions, jusqu'à ce que vous répondiez à un truc conforme à leur idéologie préconçue, allant même jusqu'à falsifier des témoignages. Moi, j'ai le souvenir d'une habitante qui s'était scandalisée parce qu'un journaliste avait totalement modifié son témoignage pour obtenir un truc racoleur au possible. Et euh, tout en mentionnant son nom et son prénom, toi, sans gêne, affirmant qu'elle savait des choses, euh, qu'il y avait un, un mystère, qu'elle ne voulait pas tout dire. Du coup, elle et sa famille, voisinage compris, s'étaient fait harceler comme c'est pas permis quotidiennement. Et euh, bon, je ne me rappelle plus du nom du canard et du journaliste non plus, mais je sais que ça a fini devant les tribunaux. Donc, euh, bien triste affaire. Et pourtant, quelques témoignages intéressants, ça j'en suis sûr, pourraient encore être recueillis sur place. C'est certain. Enfin, des témoignages concernant Sonnière et son entourage, son mode de vie, ses fréquentations, euh, pas sur le trésor, bien sûr. Enfin. Bon, j'espère que l'émission vous a plu. J'avais vraiment adoré à l'époque. Hein. Je rappelle que cet entretien date de 2005 et que, euh, hélas, Jean-Luc Robin nous a quittés euh, depuis. Donc, euh, paix à son âme et surtout, merci pour ce bon moment. Eh bien, je vous dis euh, à très vite pour d'autres aventures, d'autres vidéos sur, entre autres, Rennes-le-Château. Euh, force à vous, à vos proches, et euh, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao